très heureuse de vous retrouver dans Quelle Époque, votre talk show du samedi soir sur France 2. Comment y va le public ce soir? En forme. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a tout le monde. Bon, on est content de vous avoir. Merci d'être là. Sans plus attendre, on accueille notre invité permanent, le génial, le torride, Christophe de Chavannes. Comment ça va? Chaque semaine, vous vous surpassez, je trouve. Quoi? Chaque semaine, vous vous surpassez sur les entrées. Mais vous aussi, ma beauté. Ah non, il ne faut pas dire ma beauté. Non. Ah si, ma beauté, ça va. Ça va, ça, beauté, ça, ça, ça va. Va. C'est votre soirée sur France 2 ce soir? Ben oui, vous avez vu, j'ai couru. Vous étiez avec Laurent. J'ai couru. Que j'embrasse. Ben oui, ben il vous embrasse aussi. Aux enfants de la télé? Ouais. Et maintenant, moi? Mais j'ai cavalé grave. Ah, c'est j'ai même pas eu le temps de me changer. J'ai même pas eu le temps de me changer, c'était très bien. C'était je ne sais pas bien. Ce que vous en avez pensé, c'était très bien. Très bien. Et la semaine aussi, c'est très bien passé. Je vais vous dire, quand je viens là, je me dis quand même, quand j'ai de la paix dans mes lunettes, je me dis comment est-ce que, comment, on est bien. Je me suis dit, tiens, elle va me demander comment je vais. Je lui dis, mais c'est bien, je vais bien. Je trouve que comment j'irai mal. Applaudissez-le parce que... Mais non, mais non, mais non. Non, voyez. Mais comment elle est mal. Quoi? Je veux dire, comment, arrêtez. Mais non, mais toi, par exemple, tout va bien, je veux dire, tu vois, enfin, il fait beau, le climat est super, il n'y a pas d'ambiance, on ne parle pas de la retraite tous les matins, il n'y a pas de tension entre les gens, c'est vrai, la guerre en Ukraine, c'est des moustaches, enfin, je veux dire, c'est vraiment... On est dans une belle période. Je ferais même un enfant, tu vois, même dans ce monde-là, tu vois, ce soir même, ce soir. Ce soir, vous faites un... Ce soir, vous... Comme chaque alors là, il y a beaucoup de filles, mais là, il y a beaucoup d'hommes. Pour faire un gamin, c'est pas là. Comme chaque semaine, on retrouve un peu plus tard Philippe Cavrivière, notre expert sociologue politologue avec le ping-pong et le filactu. Ça va, Paul? Ça va, et vous? Vous allez bien? Je vais très bien. Vous avez vu comme il est bien entouré, là, ce soir? Regardez. C'est vrai que j'ai de la baie dans mes lunettes, mais... Ah oui, non, je suis pas venu seul. Je suis venu avec un pote. Mais est-ce que vous avez suivi la Coupe du Monde? Applaudissez si vous avez suivi la Coupe du Monde au Qatar. Ah non. Okay. Est-ce que vous avez le souvenir? J'ai entendu ça. C'est pas une vanne. Est-ce que vous avez le souvenir pendant les matchs de l'équipe de France d'un supporter qui était tout le temps à l'image, toujours le même supporter avec son maillot de l'équipe de France? Ça vous parle ou pas du tout? Non. Eh bien, je vous demande d'accueillir Jocelyn qui est au premier rang. Ah, bonsoir, Jocelyn. Oui, regardez. Oui, c'est vrai. Ah, mais ça vous parle ou pas? Vous êtes Qatari? Vous n'êtes pas Qatari? Vous êtes Qatari. Non. Okay. Non, Jocelyn est juste. Non, mais on ne sait jamais s'il est Qatari. Il est français et c'est le mec qu'on a le plus vu pendant le c'est la vrai, Coupe c'est du Monde. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, vous étiez à tous les matchs, non? À tous les matchs, dit-il, parce qu'il n'a pas de micro, donc je traduis. C'est de la traduction. Donc il est Qatari, je traduis. Eh bien, bienvenue, cher Jocelyn. Et c'est parti. Merci, Quelle Époque, dit, saison voilà. 1, épisode 16. Voici le sommaire. La fronde contre la réforme des retraites ne retombe pas. Deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues la semaine prochaine. Le gouvernement peut-il tenir? Peut-il encore convaincre les Français? Eh bien, c'est ce que va tenter de faire Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Elle est dans Quelle Époque ce soir? Mon père a tué ma mère. Tout son nouveau livre tient dans cette phrase glaçante. Il raconte l'histoire d'un féminicide, un homme qui tue sa femme. Ceci n'est pas un fait divers. C'est le titre de ce livre fort qui résonne avec la mort cette semaine de la jeune Siem, 18 ans. L'écrivain Philippe Besson est aussi dans Quelle Époque. Depuis 20 ans, ils forment un couple inséparable à la radio et à la télé. Leurs débats enflammés cartonnent tous les matins sur RMC et le public en redemande. Alain Marchal et Olivier Truchot, les grandes gueules, sont nos invités ce soir. Elle a été l'étoile montante de la politique. Elle a marqué la dernière présidentielle en choisissant Éric Zemmour plutôt que sa tante, Marine Le Pen, pour l'élection. Un an après, a-t-elle des regrets? Comment peut-elle rebondir? Marion Maréchal est notre invitée de minuit. Elle débattra avec Marlène Schiappa, notamment sur la sécurité et sur l'immigration. C'est la nouvelle star du stand-up, l'humoriste cash et engagé, qui fait des ravages sur scène et à la radio avec sa présence charismatique et ses punchlines qui tuent. Walidia est aussi avec nous ce soir. Enfin, elle défie les plus grosses vagues du monde. Une femme face à l'océan, on vous présente Justine Dupont, elle est la superstar du surf mondial, elle est française et elle est votre invitée dans le QMQQ tout à l'heure, chère Christophe. Yes, madame. Et ouais. Et on accueille tout de suite une grande gueule de la politique et les grandes gueules de la radio, Marlène Schiappa, Olivier Truchot et Alain Marchal. Je
aussi un écrivain qu'on adore, la reine des mers et le nouveau roi du stand-up, Philippe Besson, Justine Dupont et Wally Diab. Bonsoir à tous. Ça vous impressionne? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah. Ouais, vous devriez inviter Cyril Hanouna, au moins il voit où passe l'argent du service public. Ah, quoi. Je vois qu'on commence. On commence fort là ce soir. Les sièges sont vachement plus confortables que les nôtres. Nous, on n'a pas ça dans les grandes. Ah, nous, c'est du. Ah non. Nous, ah oui, mais hein. Vous, c'est le gros Paltis. Dites-moi, on y va, là. On a bien fait. On est très contents de vous avoir. Bah, vous, vous les connaissez, Christophe, ou pas? Vous savez lequel c'est Marshall et lequel oui, c'est Truchot? Oui, bah oui, quand même. Oui, c'est lequel? Vas-y, tente. Truchot. Non, non, je sais qui est Marshall parce qu'il était en direct. Je vais te dire un truc. Déjà, je les connaissais avant, de toute façon. Mais les gens qui étaient en direct à la télé l'ont vu en civil, entre guillemets, au moment des attentats de Nice, si je me souviens. C'est vrai. Ce qui était incroyable, c'est que ce garçon était à Nice au moment des attentats atroces et que donc on l'a beaucoup, beaucoup vu à ce moment-là à l'antenne en direct. Une petite anecdote, parce que Christophe ne sait pas forcément. Mais si. Vous n'allez pas. Non, parce que je vous interdis de dire j'ai fait de la télé grâce à Christophe de Chavannes. Parce que chacun, ils arrivent tous. Sophie Davant, j'ai fait la télé grâce à Christophe de Chavannes. J'ai été pigiste. Pour combien ça coûte? Ouais. En 1990. 1912. En 1990, j'ai fait des reportages pour combien ça coûte. Voilà. Et vous rêviez de faire de la télé grâce à Christophe Delay? Il faisait partie des animateurs qu'on regardait, qui avaient un nouveau style. Et qui on se voyait quand même dans l'immeuble, quand vous veniez piger. Non, il paraît que tu étais odieux. C'est ce qu'il m'a raconté aujourd'hui. Christophe était odieux. C'est vrai, jamais dans les et alors, vous savez mais si en plus vous me tutoyez pour m'insulter, on est mal. Autre petite anecdote, vous savez qui était mon voisin de bureau quand j'attendais pour partir en reportage? Et qui passait des coups de fil, qui était presque, enfin, entre guillemets, standardiste assistant, il s'appelle Stéphane Courbit. Ah oui, il a bien réussi sa vie, lui. Hein. Il était au Minitel, Stéphane. Il a commencé au Minitel, aujourd'hui, c'est voilà. Un des. Pour le dire, c'est un des hommes les plus puissants des médias. Ah, c'est même le producteur de télévision le plus puissant du monde. On peut le dire comme du monde. Du monde. Ouais, du monde, ouais. Ah, ouais. On peut le dire. Non, c'est pas grâce à moi, hein. Ben grâce à lui. Enfin, il a un peu montré d'autres bricoles, mais j'ai eu tort de ne pas le suivre. Et alors, je connais ces deux garçons parce qu'à un moment, on a failli travailler ensemble. C'est vrai. On a failli travailler ensemble. Et alors, je me dis quand même, en les regardant arriver, je me dis, les mecs, ils sont en veste-cravate toute la journée quand ils travaillent. Ils viennent ici. Bah, c'est le week-end. Vas-y, tu t'appelles. Ils cassent le matériel. Ouais, ils s'appellent, ils disent, bah, comment? Bah, on s'en fout. On se met en pull, on s'en fout. Bah, décor. Paul de Saint-Sernin. On n'a pas de verre en plateau. Jamais. Moi aussi, j'ai une anecdote. Je n'ai pas fait de politique grâce à Marlène Schiappa. Alors déjà on va corriger, c'est Marlène Schiappa, pas Schiappa. Je sais pas où vous me l'avez fait, Schiappa. Mais si je peux me permettre, vous avez tout du Macron boy. Vous auriez pu faire de la politique. Là laisse pas te parler comme ça. Marlène Schiappa, vous connaissez cette jeune femme? Ben, je la découvre avec grand plaisir. J'ai beaucoup d'admiration pour les surfeuses. Voilà, je trouve ça incroyable. C'est une championne mondiale. C'est la championne. Surf, ouais. C'est la championne. Vous allez l'interroger tout à l'heure. Elle fait face aux vagues les plus immenses du monde. Les images sont hallucinantes. Il faut vraiment voir ça. Moi, ça m'a scotché. Est-ce que vous la sentez, la vague aussi, Karine? Alors là, je ne vous avais pas vu venir. Bravo. L'autre, il fait son ménage. Pour une fois qu'il fait un peu le ménage. Ça ne va pas être suffisant. Partage des tâches ménagères. Le modèle est donné ce soir. C'est ça aussi. Ah, c'est vrai, bien vu. Voilà. Bah, oui. Message de partage des tâches ménagères. Bravo, félicitations. Enfin, sauf qu'il l'a fait, il fait de la merde. Mais parce que je ne sais pas quoi faire de ça. Voyez, Olivier. C'est une première. Hein. C'est ça, en 20 ans, il a jamais fait ça. Il a jamais fait ça. Jamais. Il a jamais fait ça. Mais c'est ça aussi le service public. On nettoie soi-même. Exactement. Vous voyez. Marlène Schiappa, vous connaissez Walidia? Oui, bien sûr. France Inter. Ouais. Humoriste. Très engagé. Vous écoutez? Oui. Mais parfois il me tacle un peu. C'est arrivé, effectivement. Ça a pu arriver. C'est une source d'inspiration. Marlène Schiappa, c'est une muse incroyable.
C'est beau ça. On va voir ça. À ce stade, ceux qui ne l'ont pas écouté pensent que ça peut être du premier degré. Et c'est ça qui est beau. Ben on va laisser le suspense. Voilà, on va laisser le suspense si ça se trouve. Même dans le spectacle, il y a du Marlène Schiappa. Bien sûr. Philippe, on est content de vous avoir. Je suis très heureux d'être là aussi, avec vous. Ouais, on est très heureux. En tout cas, on va commencer par vous deux, là, ceux qui font le bordel. Les deux pulls. Les deux. Et donc, on va laisser l'eau comme ça. Avec Tic et Tac. C'est le carton quotidien de RMC, de 9h à midi tous les jours. Ça fait presque 20 ans que ça dure. C'est votre 19e saison. RMC Story, radio et télé. Ouais. Oui, j'arrive. Vous avez déjà fait 7000 émissions ensemble. Ah, vous avez compté. 7000 émissions, 20 000 heures de direct. Et vous vous supportez encore. Oui. C'est un couple, 7000 heures ou 7000 émissions ? 7000 émissions. Vous imaginez, Christophe, si on faisait 7000 émissions, ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, je ne serais plus dans le même état, exactement. Hein. C'est-à-dire vous auriez... Vous seriez avancé, mais alors moi, très, hein. Ça sentirait le sapin. Oui, on se supporte encore, parce que... On se parle. C'est important dans un couple de parler. On discute parce qu'on travaille en équipe, parce qu'on a mis les égos de côté, parce qu'on a commencé... tous les deux avec un projet commun qui était de relancer une radio et grâce à Alain Veil et puis de créer une émission. Alors justement, avec un concept, et c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui a fait en tout cas votre spécificité, votre patte, c'était un peu à l'origine le déjeuner de famille où le tonton s'engueule avec le cousin, qui n'est pas d'accord avec la grand-mère, etc. Ouais. C'est ça que vous vouliez faire à la radio. En fait, quand on a commencé, il y avait assez peu d'émissions débat. Les seules qui existaient, c'était des débats entre spécialistes, entre experts, entre politiques ou éditorialistes. Donc on voulait partir sur autre chose. On voulait mettre des Français autour de la table qui ont des professions, des personnalités de la société civile, qui n'avaient jamais fait de télé ou de radio. Et donc l'idée, c'était de les faire débattre. Parfois s'engueuler, mais avec plaisir se retrouver effectivement chaque jour pour commenter l'actualité. Alors, on va parler des grandes gueules. Vous allez me dire qui est votre grande gueule préférée. Vous allez me dire comment vous faites pour vous supporter. Mais vous dites qu'ils s'engueulent un peu. Moi, j'ai envie de vous dire, la marque de fabrique des GG, c'est qu'ils s'engueulent beaucoup. On regarde. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Nouveau sujet de discussion maintenant. Votre fils est victime de harcèlement. La France qui est à la traîne. On va revenir à la réforme des retraites. Madame Borne-Borné ? Ah, plus que Borné. Quand on se permet de faire la morale aux gens sans jamais avoir vraiment bossé durement. On a 14 000 types là, qui font chier les Français, qui emmerdent les commerçants. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Ce qui est complètement aberrant. C'est la galère absolue. La reconversion, putain, mais il y a un moment, vous parlez de trucs que vous connaissez même pas. J'ai défendu Total Energy. Les mecs se font massacrer. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. C'est incroyable d'être coupé. Il y a les prédateurs et il y a les proies, quoi. Vous rendez compte de ce que vous dites ? Mais t'as le droit de quoi ? T'as le droit de fermer ta gueule de temps en temps, quoi. Qui dit ça ? C'est la voix de qui ? Le dernier, c'est moi. C'est lui. À qui vous dites ça ? Regardez ça. Du coup, ils m'ont amené ça. Après, mon plus grand fantasme, c'était la cloche, la clochette. Mais ça, c'est pas génial. Que ça, parce que là, forcément, c'est les moments chauds. Mais il y a de vrais débats et puis surtout, il y a surtout des témoignages. Parce qu'on a des auditeurs qui participent aux Grandes Gueules, qui sont finalement aussi importants que les personnes qui sont autour de la table et qui viennent raconter leur vie. Leur vie quotidienne, le travail, les retraites. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Oui. À l'origine, vous aviez l'idée, l'intuition de dire on va donner la parole aux Français. On a été copiés, on nous pique des Grandes Gueules. Jamais égalés. Bon, je sais pas, mais on essaie de renouveler justement. Qui vous copie ? Tout le monde. Bah, nos grandes gueules, dès qu'elles ont un peu de notoriété, elles sont appelées par la concurrence. C'est qui la concurrence ? Ça peut être. Ça peut être Cyril Hanouna, effectivement. Ça peut être chez Pascal Pro. Ah, Marlène Schiappa, Cyril Hanouna. C'est pour vous. Non, mais c'est parce que ce sont les émissions phares du moment. Donc tout le monde, on se regarde, parfois on se copie, on peut éventuellement tenter de se piquer des idées. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Mais ce qui est amusant, et franchement, c'est sympa qu'on soit là, parce que quand on a commencé les grandes gueules et qu'on a commencé à avoir un peu de succès, c'était Radio Populo, Radio Bistro, Café du Commerce, laissez ça de côté, et puis maintenant, on est accueillis chez vous sur le service public et on est la référence. Donc, nous, on n'a jamais changé. Moi, je vais vous dire, je vous ai toujours écouté. On peut bosser sur France Inter et moi, je vous écrivais, on ne se connaissait pas du tout. J'ai toujours écouté les grandes gueules parce que ça donne une température. Si on peut, Olivier, raconter. Parce que je suis réa qui dit. Non, je n'ai pas dit ça. C'est votre petit côté réa. Non, mais il y a beaucoup de responsables politiques qui écoutent les grandes gueules parce que c'est une température, c'est le thermomètre un peu de la société. Oui, mais la différence. Marlène Schiappa, vous écoutez, je vais vous donner la parole. Ah, bien sûr, moi, j'écoute les grandes gueules. Je suis venue à de très nombreuses reprises. Ça n'a pas toujours
toujours été facile, je ne vous le cacherai pas. On disait que c'était un peu good cop, bad cop. Non, c'est bad cop, bad cop. Donc c'est parfait. Ah, les deux, ils sont méchants. Ils sont pas méchants, mais disons qu'ils nous cornérisent, ils nous obligent à répondre. Et surtout, en fait, vous avez des personnes qui posent des questions très cash. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Sarah Saldman, si je peux me permettre, parce qu'en fait, on s'est beaucoup accroché par Sarah Saldman, c'est la jeune femme blonde, avocate blonde, voilà. Et en fait, on s'est rencontrés parce que plein de gens nous ont dit, voilà, vous engueulez par médias interposés, mais vous avez toutes les deux des caractères forts, vous devriez bien vous entendre. Et en fait, on s'est extrêmement bien entendu, et maintenant, voilà, on est assez potes. Non, je trouve que la différence, elle est aussi avec la société. C'est-à-dire qu'avant, les débats qu'il pouvait y avoir ou les témoignages qu'il pouvait y avoir à la radio, j'en ai fait quelques-uns, c'était, on faisait les féministes, on faisait les radins, on faisait les homos, on faisait les curés. Par thématique. On faisait un peu plus par thématique, alors qu'aujourd'hui, ils balancent quelques sujets de société qui font mal, parce que j'imagine que vous ne choisissez pas des choses où tout le monde est d'accord, sinon ça n'a pas grand intérêt, on est d'accord. Donc vous cherchez le truc qui va... Non, on ne cherche pas forcément le buzz. En revanche, on essaie de trouver les sujets vraiment qui clivent. Non, mais qui intéresse les gens. C'est-à-dire que moi, je pense que les médias sont très parisiens, sont parfois trop parisiens. Et les grandes gueules, c'était une ouverture sur la France. D'ailleurs, la plupart de nos GG viennent de province. Notre agriculteur de Saône-et-Loire, il prend son train à 4h30. Il prend son train à 4h30 du matin. Il arrive à 9h jusqu'à midi. Puis après, il repart dans sa ferme. Vous assumez de faire une émission populiste. Ça m'a étonné. Non, populaire. Non, vous avez dit populiste. Oui, populiste. J'ai trouvé la phrase. Vous dites, quand on dit que c'est du populisme, oui. Oui. Les GG, c'est du populisme. Et j'avais fait référence, si je me souviens bien, au courant littéraire qu'on appelait le populisme. C'était un courant littéraire. Du coup, je suis allée chercher la définition du populisme. Je vais vous la lire. Non, la définition du petit Robert. Le populisme, c'est un discours politique s'adressant aux classes populaires, fondé sur la critique du système et de ses représentants. C'est ça que vous voulez faire ? Critiquer le système et dire ce qu'on pense, oui. Après, c'est pas... c'est un peu c'est un pas une ligne de conduite, nouveau. Si je me souviens bien, il faudrait regarder, mais je crois que populisme... À l'origine, c'est un courant littéraire où on se plaisait à décrire la France, la société. Et nous, c'est ce qu'on fait, simplement, tous les jours, pendant 3 heures. La France parle dans c'est les GG. C'est quoi le populisme ? Ah, c'est difficile de définir le populisme, mais en général, quand on dit populisme, il y a un côté démagogue qui veut faire plaisir, qui veut aller dans la critique permanente des élites. Mais en fait, moi, je dirais, dans les grandes gueules, on a la parole. C'est-à-dire, le gouvernement est invité, les ministres sont conviés. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Ça fait partie de ces émissions qui sont dures. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. Tout le monde n'a pas envie de les faire parce qu'on sait qu'on va être bousculé, malmené, on va prendre des coups. Mais on nous donne la parole, on peut répondre, on est entendu. Voilà. Donc, je pense que c'est assez équilibré. Non, c'est pas une émission. Le gouvernement change, les GG restent. Hein. C'est pas une émission anti-élite. Oui. Et pour récupérer les anciens ministres. Mon collègue, c'est un beau slogan ça pour votre prochaine campagne de pub. Les gouvernements changent. C'est pas une émission anti-élite parce que les ministres. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et puis surtout, le système, vous en êtes. Ça, moi, je ne supporte pas la grande théorie. Non, parce que vous dites, oui, on est là pour secouer le système. Vous en êtes. Non, mais je n'ai jamais dit, moi, qu'on est en tant que médias. On n'est pas anti-système. En revanche, on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas souvent. Et on reçoit des ministres, on les reçoit bien. D'ailleurs, ils reviennent. On a un ancien ministre maintenant qui est dans les grandes gueules, qui s'appelle Jean-Baptiste Djebbari. Qu'on embrasse, qu'on salue. Et qu'on embrasse. Ah oui. On n'est pas anti-élite. Ah oui. Moi, je ne supporte pas ce discours anti-élite. Ouais. Et ni anti-politique. Voilà. Parce que ça, c'est un peu le truc facile. Nous, on donne les vrais gens contre les méchants. Non. Je veux dire, il y a des vrais problèmes avec l'élite. Mais... Non, mais il y a des cons partout. Voilà. Tout à fait. En tout cas, les grandes gueules, c'est une grande histoire d'amour qui montre que 20 ans de duo, c'est possible. Même à la télé, même à la radio, c'est possible. Ça, c'est rare. Comment vous faites, en fait ? Il n'y a pas de crise d'égo, il n'y a jamais de moment où vous dites « là, tu m'as coupé la parole, là, t'as trop parlé, etc. » C'est vrai que c'est rare, en vrai, hein, parce que depuis Roger Père, Jean-Marc Thibault, genre... Surtout qu'il y en a un qui est mieux payé que l'autre, donc c'est ça. Ah, c'est ça. Et il ne le sait pas, l'autre. Ouais, mais nous, on sait. Non, mais en fait, on se parle beaucoup. Vous êtes payé pareil ? On est payé pareil. Je crois, ouais. Parce que c'est deux hommes. Si c'était une femme et un homme, l'homme serait mieux payé. Enfin, faites pas de genre, s'il vous plaît. Et on a vécu, c'est une aventure depuis le début qu'on vit ensemble. On a démarré, personne ne nous connaissait. Et puis, je pense qu'on a gardé notre enthousiasme. On n'est pas tellement cynique et on n'est pas, surtout, on se fait pas de crasse. On se dit les choses et on s'engueule quasiment jamais. Non, vous n'êtes jamais trompé ? Vous n'avez pas eu envie d'un adultère, d'un petit coup ailleurs ? Non, former un autre couple. Les gens qui nous regardent. Ok, pour que ce soit clair pour vous, d'après ce que vient de dire Léa, donc c'est un couple, un vrai couple. Dans la vie. Oui, vous n'êtes pas paxé. Non, si De Chavannes avait été plus jeune, peut-être. C'est ça. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'allais vous demander, parce que les grandes gueules, c'est vraiment... Je plais bien aux gays. C'est vrai. Philippe est d'accord. Les grandes gueules, c'est vraiment vous deux. C'est vraiment vous deux, mais si jamais un jour, vous deviez arrêter. Non, mais il y a eu des propositions.
Il y a eu propositions séparées, bon, et voilà, c'était non, quoi. Mais c'était non parce qu'on savait que les... Comment ça, des propositions séparées, ça, qu'on vous a dit à l'un ou à l'autre? On vous a proposé les deux de venir ailleurs, ou chacun séparément, voilà. Et chaque fois qu'on vous sépare, vous dites non? Bah, pour différentes raisons, on a toujours dit non, oui. Si jamais vous deviez arrêter, qui pour reprendre les grandes gueules? On s'est posé la question, du coup, on vous a mis toute une série de personnalités qui présentent actuellement des débats sur toutes les chaînes, dans des styles totalement différents. Qui vous prendriez, ou je ne sais pas moi, quel couple vous feriez? Quel duo? Quel duo? Tiens, il y a Christophe. J'étais pas au courant. J'avais envie de vous mettre. Christophe. Donc il y a Caroline Roux, Estelle Denis, Karim Rissouli, Christophe de Chavannes, Pascal Pro et Cyril Hanouna. Christophe, bien sûr, et moi je choisirais Estelle Denis. Non seulement parce que c'est une collègue RMC, mais parce qu'elle a le ton et qu'elle présente elle aussi une émission de débat qui nous ressemble. Donc Estelle Denis, elle serait formidable dans ce rôle. Ça serait un beau duo. Ouais. Ouais. De Chavannes, Estelle Denis, pour faire les grandes gueules, ça vous dirait ça? Ouais, mais après, on a une aventure, c'est compliqué maintenant. Et surtout, vous êtes avec moi, là. Oui, en plus. Oui, c'était la bonne réponse. Je suis con, moi. Je suis pas du tout opportuniste, en fait. Je suis que sincère, pardon. Vous partez en vacances ensemble? Non, jamais. Au moins, c'est clair. Pour une simple raison... Vous n'avez pas de vacances. Léa, pour une simple raison, c'est que l'émission ne s'arrête jamais. Quand l'un est en vacances, l'autre reste tout seul avec les grandes gueules. C'est vrai que vous prenez... Voilà. Enfin, il y a toujours les grandes gueules. Il s'est calé, en général, c'est lui qui fait le mois de juillet. Pendant que moi, je suis en vacances. Et au mois d'août, c'est moi qui fais la garde d'alternance des grandes gueules. Le secret de notre couple, c'est que justement, on a une vie ailleurs. On a nos familles, nos amis. Vous votez pareil? Vous avez les mêmes idées politiques, l'un et l'autre? Macron, tous les deux. J'arrête de répondre à leur place, pardon. Bah, comme ça, c'est clair. On a toujours voté pareil. Oh, je pense pas, non. Non, non. Je pense pas. Non. Ouais. Est-ce qu'on vote encore? Ah oui, moi, j'ai jamais raté une élection. Qui est le plus grand gueule des deux? C'est Olivier. Olivier, c'est un vrai fort, très fort débatteur, qui voit toujours juste, qui sait se glisser dans l'interstice de l'interview. C'est gentil, ça. Mais c'est vrai, il est très bon, il le sait. C'est ce que j'allais vous dire. Quelle est la plus grande qualité, le plus grand défaut de l'un et de l'autre? Alain, c'est en radio le meilleur animateur, en termes d'Encoreman et de Monsieur Loyal, de celui qui présente, qui annonce, etc. En qualité humaine, sinon. En qualité humaine, c'est quelqu'un de généreux et sincère. Et son défaut? Et son défaut, il n'a pas suffisamment confiance en lui. Je savais qu'il allait dire ça. Mais c'est vrai. Eh ben, c'est vachement bien. C'est vrai, moi j'ai toujours ça peut être une qualité aussi. Je pense que des fois c'est un peu chiant parce que je sais que des fois je le sais, il est là, il met. Oui, parce que lui, il est très. Il va, Olivier, il fonce. Alors, c'est sa qualité première. Il est présomptueux, il est présomptueux. Il voit juste, il est rapide, il va vite. Et parfois, c'est même un peu too much pour ceux qui sont autour de lui, parce que des fois, il a le ton qui peut être un peu cassant, mais c'est le défaut de la qualité, quoi. Son défaut, il se la pète, quoi. Non, pas du tout. Alors là, je pense que tous ceux qui nous connaissent le savent, je pense qu'il y en a. Aucun des deux, de manière très modeste, on peut le dire, qu'on a la grosse tête. En tout cas, on a retrouvé Olivier Truchot dans sa toute première télé. Ah non. Si, je suis désolée, mais on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est tellement collector qu'on se l'est repassé trois fois au répète. Ah bon, en plus. Regardez. Ah non. Regardez. Je me trouve actuellement sur l'aire de repos Limoux-Genvry, au début du réseau Coffee Route, c'est-à-dire sur la partie commune, aux autoroutes à 10 et à 11. La première difficulté... 15h cet après-midi, Olivier Truchot, le spécialiste des bouchons sur autoroute FM, fait son point sur une aire de repos. Un conseil pour demain, ne prenez pas la route entre 5h et 14h, le trafic reste très chargé. Et puis sachez que Poitiers accueille l'étape du Tour de France. Là aussi, il y aura beaucoup de monde sur l'autoroute à 10. Bonne route à tous. Wow. C'est quelle année? 94. On est chez Groland. Je pense que c'est 94. Ça doit être ça. Non, le bras sur la porte et le démarrage. Alors, surtout, je démarre la voiture, j'ai pas mis ma ceinture. Ouais, mais c'est ça, un détail. À l'époque, t'aurais même pu avoir une clope. Mais ce polo, ça se fait plus. C'est mieux. Ça permet à une nouvelle génération de découvrir ce que c'était que le téléphone portable de l'époque. Le téléphone filaire portable de voiture. Plus sérieusement, les Français, vous sentez leur pouls, vous les ressentez. Vous dites que vous avez pressenti le non au référendum en 2005 au traité européen, alors que tous les sondages disaient que le oui allait l'emporter, vous aviez pressenti que le non allait l'emporter. Vous avez pressenti aussi, vous avez vu la montée des Gilets jaunes. Je voulais savoir si vous aviez vu la mobilisation contre la réforme des retraites avant Noël. Parce qu'avant Noël,
tous les journalistes, le gouvernement, tous les observateurs, les sondeurs, etc., disaient « bon, ça devrait passer assez facilement, les gens sont résignés, sont lassés ». Est-ce que vous aviez vu déjà, avant Noël, qu'ils allaient mettre 2 millions de personnes dans la rue ? Non, enfin, c'est présomptueux de dire « oui, j'ai tout prévu », etc. Moi, je pense que c'est la deuxième révolte de la classe moyenne contre Emmanuel Macron après les Gilets jaunes. Et, alors, ils ne sont plus Gilets jaunes, mais ce sont les mêmes. Ce sont des Français qui travaillent, qui ne gagnent pas énormément, qui galèrent parce qu'en ce moment, la vie est chère avec l'inflation et qui ne veulent pas travailler plus longtemps et qui, en plus, veulent travailler différemment. Et Emmanuel Macron, je pense qu'on va en parler, mais il ne l'a pas senti. C'est la deuxième fois qu'il ne sent pas cette révolte de la classe moyenne. Et je trouve que c'est plus intéressant. Pourquoi, à votre avis, pourquoi il ne l'a pas senti ? Évidemment, on vous a invité pour ça. Problème de capteur, sans doute. Il n'a pas les bons capteurs. Peut-être qu'il est trop timing. De lui. Timing, compliqué. Timing aussi. Mais moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que c'est son deuxième quinquennat. Il y a eu les Gilets jaunes. Et puis, il se reprend un mouvement assez semblable sur d'autres raisons qui déclenchent le mouvement. Mais avec toujours cette même incompréhension entre le gouvernement et la rue. Et qui va finir comment alors, Madame Soleil ? Ce qui est intéressant, c'est que, et ce matin encore, on l'a vu, on l'a entendu avec, si je me souviens bien, on avait un sapeur-pompier, on avait un auto-entrepreneur, on avait un dirigeant d'une petite entreprise du BTP qui était au 32-16. Il y a à la fois la résignation et la détermination. C'est-à-dire la détermination à dire vraiment, on ne veut pas de cette retraite et quand ce sera fini le quinquennat Macron, on sera vraiment content. Et la résignation, c'est de se dire, de toutes les manières, on a l'impression quand même que ça passera. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'écoutera pas les Français jusqu'au bout, on va faire des mesures, des aménagements, des amendements, mais que la mesure... Et personne ne dit, mais il faut une réforme, parce qu'il faut une réforme en vrai, non ? Moi, j'ai été surpris, on a eu beaucoup d'électeurs de droite nous appelant, et disant non à la réforme, puisqu'on nous... Non, à cette réforme, mais il en faut une. Oui, d'accord, mais on est parti du principe que les électeurs de droite étaient plutôt favorables à l'allongement, et j'étais assez surpris d'entendre des... Je vous coupe, parce qu'on va en parler. C'est ce qui pue du cul. Les grandes gueules, de 9h à midi sur RMC, RMC Story, sur BFM le soir, vous restez avec nous. On va parler des retraites, on va recevoir Marion Maréchal dans un instant, on va parler d'immigration et de sécurité, mais d'abord, on va revenir, si vous le voulez bien, avec vous Marlène Schiappa et avec vous Philippe Besson, puisque votre livre est une résonance à ce qui s'est passé, à une autre fait d'actualité terrible qui s'est passé aujourd'hui. Encore une femme tuée, encore un féminicide. CM, 18 ans, tuée par l'homme avec qui elle avait une relation amoureuse. Et pour reprendre le titre de votre livre, puisqu'il s'agit de cela, ceci n'est pas un fait divers. L'homme avait un lourd passé judiciaire, Marlène Schiappa. Il avait 13 condamnations, il devait comparaître aux assises le 1er février. Je vais juste vous livrer la réaction de l'autrice, de la réalisatrice Andrea Bescon, qui écrit à cet homme, là, cette semaine, il y a deux jours, « Tu t'appelles Mahfoud H, tu as 39 ans, tu viens d'admettre avoir tué Siem, une lycéenne de 18 ans. Elle était amoureuse de toi, elle sortait à peine de l'enfance, et toi, avec tes 21 ans de plus, tu l'as mise sous emprise, tu es un homme connu des services de police et de justice, comme de nombreux violeurs et auteurs de féminicides. » Mais notre État laisse les hommes violents comme toi sévir à leur guise pendant que les femmes et les enfants meurent. Mais notre État laisse les hommes violents comme toi sévir. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Évidemment, il ne s'agit pas de faire le procès de la justice là, mais comment cet homme... Non, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'abord, je veux avoir une pensée pour Siem, pour ses proches. Et bien sûr, pour toutes les femmes qui sont victimes de féminicides ou de violences conjugales de façon générale. Avant de vous répondre, je veux commencer par appeler un numéro de téléphone, le 3919. C'est très important parce qu'on peut appeler ce numéro. Maintenant, il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et souvent, on parle des violences conjugales, mais sans donner les clés pour s'en sortir. Il est accessible pour les victimes de violences conjugales, mais aussi pour les témoins. Parce que quand vous entendez qu'il y a un cambriolage ou un incendie chez vos voisins, vous appelez la police. Moi, je voudrais que quand on entend des cris, des coups chez les voisins, quand on sait qu'on a une collègue, une cousine, une voisine qui est victime de violences conjugales, on appelle la police. Parce que dans l'immense majorité des cas de féminicide, la police n'avait pas été prévenue. Marlène, ensuite, sur l'interpellation, du coup, on fait comment ? Bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec vous. Moi, c'est le combat de toute ma vie, la lutte contre les violences conjugales. Philippe Besson le sait bien, puisqu'il avait suivi la campagne. J'ai porté ce combat pour Emmanuel Macron et pour la campagne. Moi, je veux vous répondre sur la police. Quand j'étais au ministère de l'Intérieur, on a fait former plus de 100 000 policiers et gendarmes, justement pour qu'ils prennent les plaintes. On a rendu obligatoire la transmission des plaintes au parquet. Ce n'était pas le cas avant. Depuis combien de temps, pardon ?
depuis quelques mois. Là, ça fait un an et demi sur la formation. Non, on est à 100 000. Il faut atteindre la totalité parce que c'est inacceptable quand une plainte n'est pas prise. Évidemment, il y a des enjeux de vie ou de mort derrière. Donc nous, on fait tout notre possible. On met des intervenants sociaux. On a créé une plateforme. Je termine juste en donnant le nom de la plateforme parce que je sais que parfois, c'est difficile d'aller dans un commissariat, dans une gendarmerie. On ne sait pas comment on va être reçu. Il faut raconter des choses très intimes à quelqu'un qui est en uniforme en face de vous. Donc cette plateforme, elle s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et derrière, vous avez des policiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peuvent vous aider à préparer... Marlène Schiappa, pardon, je vais vous arrêter. On va revenir sur le 4e, mais quand même, vous avez fait cette plateforme, vous avez fait le 39-19, vous avez formé des policiers. C'est vrai, je ne dis pas que vous n'avez rien fait. Mais comment vous expliquez, d'abord, les associations des femmes disent que ce n'est pas du tout assez, que vous avez fait la grande cause nationale depuis 6 ans et que ce n'est pas assez. Et surtout, les chiffres sont terribles. On va les voir. Ça ne baisse pas, voire ça augmente. On était à 123 femmes avant votre arrivée au pouvoir, tuées tous les ans. 123 femmes, c'est une femme tous les 3 jours qui est tuée en France sous les coups de son compagnon. 130 femmes en 2017, 118 en 2018, 122 femmes en 2021. Pourquoi autant? Pourquoi ça ne baisse pas? Est-ce que ce n'est pas un échec pour vous? Mais pour moi, chaque violence conjugale est un échec. En fait, si vous me disiez, on a baissé, on est à 121, il y en aurait une de moins, une de plus, c'est toujours une de trop. On a réussi à les faire baisser pendant le confinement. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, qui n'était pas grâce à nous, c'est parce qu'en fait, on voit que dans les féminicides, c'est la rupture, l'élément déclencheur généralement. Avec le confinement, il y avait moins de ruptures. C'est dans votre livre d'ailleurs. Absolument. Et c'est extrêmement important de comprendre ce mécanisme. La deuxième chose, c'est que pendant le confinement, enfin, tout ce qui était impossible avant est devenu possible. Et il y a eu une agilité. Je vous donne un exemple. Dans les centres commerciaux, dans les grands magasins, les supermarchés qui sont restés ouverts, moi, j'ai tous appelé un par un les grandes chaînes pour leur dire « Est-ce que vous êtes d'accord à l'entrée de votre magasin pour mettre des policiers et des gendarmes et pour mettre des associations qui vont écouter les femmes quand elles sortent faire les courses ?» Grâce à cet accompagnement, on a réussi à faire baisser le nombre de féminicides. Mais sur le cas, pardon, sur le 4e, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, vous en avez parlé. Moi, sur le 4e, allez-y. C'est que certes, c'est un délinquant multirécidiviste, mais il n'avait pas été condamné pour des violences faites aux femmes. Jamais. Donc, dans l'idée, de protéger les femmes de cet homme-là sur ce cas précis. Il avait exécuté les peines sur lesquelles il avait été condamné aussi. Merci, je voudrais préciser quelque chose de primordial sur ce cas. Parce que la famille, c'est vrai, absolument. Vous avez raison, Christophe. La famille de Siem s'est exprimée. Et qu'a dit son cousin, qui s'est exprimé au nom de la famille, il a dit « Moi, je nie cela ». Il a dit « Il n'avait pas de relation ». Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas le juge, je ne suis pas là pour dire si oui ou non ils avaient une relation, mais le cousin de Siem dit « Cet homme dit qu'ils avaient une relation parce qu'il pense qu'on dira que c'est un crime passionnel et qu'il sera moins condamné ». Et c'est ça le scandale. Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, on considère que quand vous avez une relation avec une femme, vous allez prendre moins de peine. Et c'est ça qui montre vraiment le problème de société derrière les violences conjugales. Philippe Besson, avant de rentrer dans le cœur de votre livre, qu'est-ce que vous avez à dire de manière générale ou à Marlène Schiappa qui est là? Justement, je pense qu'aujourd'hui, il faut tordre le cou à cette fable absurde sur laquelle nous avons fonctionné, qui est romanesque et romantique, qui est celle du crime passionnel. Le crime passionnel, c'est quoi? Ça tient en une phrase. C'est il l'aimait tellement qu'il l'a tué. On ne peut pas tuer par amour. Je la répète, la phrase, pour qu'on en mesure l'absurdité. Il l'aimait tellement qu'il l'a tué. On ne tue pas par amour. Le corps d'une femme n'est pas un champ de bataille. Et donc, le crime passionnel, ça n'existe pas. Vous appelez ça... Le féminicide, c'est un crime de propriétaire. Voilà, c'est ça, un crime de propriétaire qui est une expression très juste. Bien sûr, mais pourquoi? Parce que Marlène Schiappa disait très bien, dans 2 cas sur 3, voire 3 cas sur 4, la femme est tuée quand elle dit qu'elle va partir, qu'elle va quitter le domicile conjugal. Et donc, à ce moment-là, l'homme considère que c'est insupportable, cet affranchissement, cette émancipation, l'idée qu'elle va avoir une vie ailleurs sans lui. Et comme il est en général assez paranoïaque et assez marqué, empreint de jalousie, eh bien, il la tue. Il l'a chosifiée et il la tue. Entre-temps, il la violente. Et par ailleurs, il y a ça. C'est que le féminicide, hélas, n'est souvent qu'un aboutissement d'un continuum de violence. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu souvent violence conjugale, harcèlement, etc., humiliation, et on arrive à ça. Jalousie. Et donc, extrême. Du coup, ce crime de propriétaire dit quelque chose sur notre société patriarcale et sur la domination masculine dans laquelle nous avons vécu. Et moi, le premier, je suis un homme, donc je vois très, très bien cette société-là. Je m'en suis accommodé sans aucun problème pendant des années. J'ai bien vu autour de moi qu'on me disait « elle est morte sous les coups de son conjoint », et puis je me disais « oui, c'est bien triste ». Et puis, on passait à autre chose. Et puis, à un moment, quand même, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et c'est là, sous nos yeux, et moi, vous avez très bien fait de montrer les chiffres, ils sont indispensables, ces chiffres. Il faut remercier ceux qui les établissent et les associations qui les répètent tout le temps. Mais sauf que ce n'est pas que des chiffres. Et c'est des histoires
à hauteur d'hommes et de femmes. Et c'est justement et c'est ça une de ces histoires. C'est une de ces histoires que vous avez racontées. Votre livre tient en une phrase. C'est une phrase que vous a dite un jour un jeune homme qui était fan de vos livres, qui est venu dans une librairie pour lors d'une de vos signatures. Vous avez sympathisé, vous avez parlé, vous l'avez revu, vous avez pris un verre, vous a raconté sa vie. Mmh. Et à un moment, il vous a dit... Mon père a tué ma mère. Oui, c'est une phrase qui m'a laissé évidemment dans la sidération. Il a même mis un peu de temps à le dire, pardon. Oui, il ne l'a pas dit tout de suite, absolument. Et du coup, je lui ai dit d'ailleurs pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt. Ce n'était pas un reproche, évidemment, mais parce que c'est tellement énorme. Et en fait, il m'a dit deux choses qui m'ont interpellé, qui ont déclenché l'écriture du livre. La première, c'est au fond, la mort de ma mère emporte tout. Et moi, je suis à côté. C'est-à-dire comme si je comptais moins. Et moi, les gens qui sont à côté ou les gens qui pensent moins compter m'intéressent. Parce que c'est sur ceux-là que j'écris depuis toujours. Et puis, il a ajouté, de toute façon, je ne saurais pas raconter l'histoire, je n'ai pas les mots pour raconter ça, pour dire une forme d'indicible. Et moi, je me suis dit, si lui n'y arrive pas, peut-être que le romancier, l'écrivain, il a un rôle à jouer pour raconter cette histoire-là à sa place. Et c'est comme ça que j'essaie de prendre la voix de ce jeune homme et de dire, c'est quoi quand votre mère est morte sous les coups de votre père? Comment vous faites pour gérer la sidération, la stupéfaction, le chagrin d'abord, la colère ensuite, parce que vous avez une colère à l'égard du père, et la culpabilité, c'est ça qui est un truc terrible. Et l'ambiguïté aussi de, c'est mon père, avec l'amour du père, avec les relations du père, mais il a tué ma mère. C'est ça. Et vivre avec ça. Et vous êtes dans une effectivement, une ambivalence terrible. C'est-à-dire, lui, mon narrateur, et le jeune homme en question, décide d'être radical et dit, ce père n'est plus mon père, c'est un meurtrier, je le range là. Voilà, c'est une façon de s'en sortir, de se sauver. Mais il y a une petite fille de 13 ans qui s'appelle Léa, qui a vu le crime se faire. Qui a tout vu. Qui a tout vu, et qui, elle, se dit, 5 minutes avant, c'était mon père, et 5 minutes après, c'est encore mon père. Et comment je fais pour me débrouiller avec ça? Comment je fais pour me débrouiller avec un père meurtrier, sachant que rien n'est à peu près fait pour ces enfants-là. Ces enfants ne sont pas pris en charge nulle part. Alors ça, pour le coup, c'est un des vrais points aveugles de la loi. C'est un livre sur les enfants. Hein, moi c'est un livre sur les enfants, absolument. D'accord. Et rien n'est fait pour eux. C'est-à-dire que d'abord, souvent, la scène de crime a lieu dans la maison. Ils sont expulsés de la maison. Ils n'ont plus le droit de rentrer parce qu'on a posé les scellés. Et on leur dit, démerdez-vous. Hein, un an. On ne sait pas où vous allez, mais les scellés sont posés. Donc voilà. Il faut vous dire aussi, là aussi la loi est un peu curieuse, c'est que le père meurtrier, qui a donc tuer la mère de ses enfants. Tant qu'il n'est pas condamné. Eh bien, garde l'autorité parentale. Alors ça, on l'a changé, Philippe. On vient de le changer dans la loi. Ça vient de changer là. C'est moi qui l'ai fait changer. Avec le Grenelle des Jeux en Pouliade, je me permets de le dire. Ça vient d'arriver, voilà. Et vous savez pourquoi? Suite à l'affaire Julie Douib. Absolument. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette femme, Philippe, absolument, en Corse, qui a été tuée par son conjoint. Et moi, j'ai rencontré son père, Lucien, que je voudrais vraiment saluer. Et qui nous a expliqué, un homme incroyable. C'est un grand-père et il a récupéré la garde de ses 2 petits-enfants. Et il ne pouvait prendre aucune décision parce que c'était le meurtrier depuis la prison. Il gardait l'autorité parentale. La loi a changé et maintenant l'autorité parentale est retirée. Ce garçon, ses enfants, ils sont hantés par la culpabilité aussi. Oui. Pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi je n'ai rien vu? Pourquoi je n'ai pas vu les signaux faibles? Et ça le hante. Ça le hante. C'est terrible parce que justement, il m'a dit ça. Il m'a dit, si tu savais, comme je me sens coupable. Alors je me disais, c'est bizarre parce que dans cette histoire-là, pour le coup, le coupable, on l'a identifié. On le connaît et puis il est en prison. Et il me dit, mais non, tu ne comprends pas, en fait, on se sent coupable parce qu'effectivement, j'aurais dû voir. Alors lui, il s'était éloigné, il vivait dans une autre ville, etc. Donc sa mère n'était pas là comme ça, sous ses yeux tous les jours. Et puis parce que surtout... Elle disait à la petite de ne pas en parler. Voilà, les victimes de violences conjugales, souvent, se taisent. Elles se taisent parce qu'elles sont sous emprise, donc elles ont peur de parler, elles ont la peur au ventre, donc elles se taisent, elles se cachent aussi, donc elles ne montrent rien. Et puis, à un moment dans le livre, effectivement, elle comprend que sa fille de 13 ans a visiblement deviné qu'il se passait quelque chose, et elle dit, n'en parle pas à ton frère, on ne va pas l'embêter avec ça. Mmh. Le vertigineux de cet avec ça. Et les signaux faibles, ils sont là. Alors, ils sont parce tous que là. Après la mort, il se refait voilà. Le film. Et les signaux faibles, c'est la mère qui porte des vêtements informes, amples, pour ne pas montrer son cœur, son corps qui se laisse aller, qui est plus pâle, qui est plus triste. Qui ne danse plus. Qui ne danse plus. Oui. C'est le Prozac qu'on trouve dans l'armoire à pharmacie, c'est les kilos qu'on perd. Mmh. Ça, tu ne le vois pas, évidemment, quand on voit sa mère tout le temps. Et le problème, c'est qu'en fait, ce sont des signaux faibles et des indices très ténus. Alors, le problème, c'est que... Alors, d'abord, on est embarqué dans nos propres vies, c'est-à-dire qu'au fond, on regarde toujours un peu ailleurs. Et puis, on se dit, peut-être c'est comme ça, mais moi, j'ai mes préoccupations. Et donc, on est aussi indifférent et aveugle. Je me mets dedans, encore une fois. Moi, je ne fais pas la morale. Hein. Et donc, il y a ça. Donc, ce fils-là... Il a sa vie ailleurs et il ne voit pas sa mère se détériorer, se déliter petit à petit. Et puis il est loin. Et la petite Léa, soeur, ouais. À chaque fois qu'il lui parle, ne lui parle de rien, parce que sa mère absolument. Lui dit, tais-toi. Et à 13 ans, quand ta mère te dit, dis rien. Tu dis rien, absolument. Et puis effectivement, donc, ces indices, c'est quand vous les rassemblez à la fin, quand vous remontez le fil de l'histoire, que tout d'un coup, ça forme une évidence. Mm. Et que vous comprenez qu'effectivement, ça pouvait nous amener là. Et là, évidemment, vous êtes traversé par le jeu cruel des « et si ».
Et si j'avais fait ça? Et si j'avais mieux compris? Et si j'avais été présent? Et si je l'avais accompagné? Et c'est un jeu absolument épouvantable. Ouais, en Lydia, fait, vous... Pardon, excuse-moi. Non, quand on parle des féminicides, évidemment, le féminicide, c'est la femme dont on parle. Et c'est évident, voilà. Mais je ne peux pas dire c'est pire, c'est pas pire, parce qu'évidemment, elle est morte, c'est monstrueux. Mais ceux qui restent, et les mômes notamment, ou les très très proches, ils ont une vie épouvantable. Ils sont marqués à vie. Je pense que une petite fille, je ne sais pas, parce que tu sais, on dit souvent les enfants battus battent leurs enfants. Hein, on reproduit des schémas, c'est complètement con. C'est de la psychologie à 2 euros, mais on n'est pas très loin de la vérité, en vrai. Et là, on se dit que les petits garçons qui vivent ça peuvent devenir très durs et des hommes très, très durs. Et les petites filles, je ne sais pas si on peut admettre qu'elles deviennent des bourreaux, comme on pourrait le dire, de petits garçons qui ont vécu ça. Et qui ont une image masculine épouvantable, en fait. Elles vivent souvent avec une image masculine épouvantable. Elles viennent plus souvent des victimes que des bourreaux, hélas. C'est-à-dire que comment on remonte ce traumatisme-là, c'est une chose voilà, qui est presque insoluble. Parce que vous vivez avec une mémoire traumatique épouvantable. D'abord, elle a été témoin, donc évidemment, comment vous faites quand vous avez ces images indélébiles-là? Et comment vous faites pour vous trouver simplement votre place dans le monde? Et là, vous vous rendez compte que... Eh bien, voilà, ils se scarifient, C'est ce que vous racontez, en fait. À leur intégrité. Christophe a raison, c'est pas tant un livre sur le féminisme, c'est comment tu vis, comment tu survis, quand ton père a tué ta mère. Absolument, comment on fait le deuil de sa mère, partie dans des conditions comme ça, comment on survit après? Moi, c'est des questions qui me hantent toujours. Je me dis, comment font ces enfants? Et je me dis, ils se sauvent eux-mêmes, en fait. Et pardon, je dis une chose aussi, c'est parce qu'on parlait du grand-père dans l'affaire, justement, qu'on évoquait. Je choisis dans le livre qu'il y ait un grand-père aussi, parce que souvent, ce sont les grands-pères ou les grands-parents qui sauvent cette histoire-là. Et moi, je voulais qu'il y ait un grand-père pour qu'il sauve les enfants et pour qu'on dise aussi 2 choses. Parce que c'est un homme et qu'il faut quand même aussi qu'on rappelle que la grande majorité des hommes ne sont pas violents. Des monstres. D'accord ? Ne sont pas des monstres. Mmh. D'accord ? Il y en a qui sont violents, il y en a qui sont des monstres. Ceux-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et il vaudrait mieux les mettre en état de nuire avant qu'ils ne commettent leurs atrocités. Mais la grande majorité ne sont pas. Et puis, c'est un homme d'une autre génération. Et donc, on peut aussi appartenir à une autre génération et être éveillé à ces questions-là des violences conjugales. Attends, parce que Philippe dit que les hommes ne sont pas des monstres. Il y a quand même un courant féministe qui a tendance à dire qu'intrinsèquement, l'homme est un violeur potentiel, l'homme est un tueur potentiel. C'est la minorité, non? Oui, mais c'est quand même quelque chose qui a été dit. Je ne me souviens plus quel éditorialiste ou tel journaliste, tu vas peut-être t'en souvenir. Karine de Haskell. Voilà, 50% des deux ou trois hommes sur trois. Qu'est-ce que vous en pensez, Marlène Schiappa, de ça? Moi, je pense qu'il faut combattre un système. En fait, moi, je suis féministe parce que je suis humaniste. Donc, je ne pense pas que les hommes soient mauvais intrinsèquement. Je pense qu'on vit dans un système qui enferme les femmes et les hommes, chacun dans un rôle, assigné à résidence quasiment, et qu'il faut émanciper les femmes comme les hommes. Je voudrais vous écouter, Walidia, sur le féminicide. Sur les féminicides. Ouais. Non, parce que vous avez une fille, vous en parlez dans votre spectacle. Oui. Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous êtes plus attentif depuis que vous êtes père à... Forcément, ça a exacerbé mes sens à ce niveau-là. Maintenant, il y a plusieurs problèmes et je peux raconter une anecdote personnelle. J'étais en bas de chez moi en train de téléphoner et j'entends des bruits. J'entends une femme qui malheureusement crie et se fait frapper contre un grillage à 300-400 mètres de moi que je vois de loin. Donc j'ai appelé la police comme tout bon citoyen à ce moment-là. Le temps d'arriver sur place, j'ai décrit la situation. J'ai dit que la femme est en train de se faire balayer, en train de se faire prendre des claques, en train de se faire pousser contre un grillage. Et la réponse du policier, c'était Pour continuer. Donc quoi, tu veux un barbecue, tu veux quelque chose, toi, où cette femme est venue porter plainte. Oui, le lendemain. Et le policier lui a dit, écoutez, revenez demain, et elle est décédée. Oui, je veux répondre là-dessus parce que c'est exactement pour ça que moi je me suis engagée dans le combat féministe il y a des années, parce qu'on appelait au secours et que personne ne nous répondait. On nous a bassinés pendant des années en nous disant la libération de la parole des femmes. Ça fait très longtemps que les femmes parlent. C'était l'écoute qui n'était pas libérée. Je suis la première à être outrée quand j'entends ça. C'est pour ça qu'il y a des sanctions dorénavant. Je veux dire aussi qu'il y a 400 000 interventions de policiers et de gendarmes par an pour sauver la vie de femmes qui les appellent, parfois au péril de leur vie. Je veux avoir Manifestement, elle est mal tombée. Je veux avoir une pensée pour les 3 gendarmes de la compagnie d'Ambert, si vous me le permettez, qui sont décédés en intervention parce qu'ils sont venus aider une femme qui les avait appelées, qui était menacée de mort par son conjoint. Mais toutes les fois où la police ne répond pas, il doit y avoir des sanctions. C'est très clair au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est inadmissible. Il y a un enjeu de vie ou de mort. Et moi, je veux juste vous remercier d'avoir passé ce coup de fil. Parce que si à chaque fois quelqu'un passe un coup de fil et si effectivement derrière il y a une intervention. Non, mais il faut qu'il y en ait une. Alors, je vais terminer. Il n'y a eu absolument aucune intervention. L'intervention, c'était malheureusement moi.
Et je ne peux pas faire grand-chose sans après que la loi ne soit plus de mon côté. J'ai pu les séparer sur ce moment-là, mais l'avenir de cette femme n'était pas réglé par l'intervention de la police. C'est totalement pas admissible qu'on vous ait répondu ça. C'est évidemment complètement scandaleux. Et c'est pour ça qu'on forme les policiers, les gendarmes. Mais c'est la jeune femme qui est morte il y a 3-4 semaines, elle était allée... Elle était allée voir un gendarme qui ne l'avait pas pris et qui a fini par avouer à son chef que oui, il était 4 heures et que ça allait prendre du temps et qu'il finissait à 5 heures. On ne veut plus voir ça. Ceci n'est pas un fait divers chez Julliard. Merci Philippe Besson. Vous restez avec nous. Je crois que vous avez des choses. Vous avez des choses à dire aussi sur l'actualité, l'autre actualité, la réforme des retraites. Marlène Schiappa, si je voulais sourire et rendre hommage à Jean-Pierre Alcabat, je vous dirais de quelle couleur le mur. De quelle couleur le mur contre lequel votre réforme des retraites va se fracasser ? C'est une question rhétorique, j'imagine. Vous n'attendez pas de réponse. Pas de réponse. Cette réforme, votre réforme, elle va probablement passer, puisque la Ve République est ainsi faite que les institutions, vous devriez avoir les voix de la droite, et si vous n'avez pas les voix de la droite, vous aurez le 49-3. Mais tout de même, vous pouvez nous expliquer pourquoi cette réforme des retraites, plus vous l'expliquez, plus les gens sont contre. Plus vous en parlez, plus on prend connaissance de cette réforme, plus les gens sont contre, plus les gens sont dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on disait, il était dit tout à l'heure, je n'ai pas réagi sur le moment parce que je savais qu'on allait en parler là, mais il était dit tout à l'heure, le président Emmanuel Macron ne se rendait pas compte qu'il y aurait des manifestations, etc. Rien ne permet de dire ça. Si vous me le permettez, moi, je trouve que dans les commentaires autour de la réforme des retraites, j'ai l'impression parfois qu'on est dans un genre de jeu de dupes. Il n'y a pas de surprise en réalité. Cette réforme, on a dit qu'on allait la faire. Elle était dans le programme du président de la République. Il n'a pris personne par surprise. Elle était également dans le programme de chaque député de la majorité qui s'est présentée, mais nous savions également qu'elle était impopulaire, qu'elle mobiliserait les syndicats et qu'il y aurait bien évidemment des protestations. Donc vous allez tenir, peu importe. Pour moi, ce n'est pas une question de tenir, c'est une question qu'il y a une nécessité de faire cette réforme pour deux raisons. D'abord pour la question de l'équilibre budgétaire et pour sauver ce système de retraite par répartition. Parce que si on n'est plus dans des retraites par répartition, on passe par de la capitalisation et des fonds de pension comme aux États-Unis, où les riches auront toujours une très belle retraite et les pauvres n'auront rien comme ils n'ont pas de couverture maladie. C'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, le système, il n'est pas idyllique. Moi, pardon, mais j'entends des débats avec des gens dire qu'il faut absolument préserver le système tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Mais le système aujourd'hui, c'est des femmes sous le seuil de pauvreté. C'est des personnes avec des carrières hachées ou des congés parentaux qui se retrouvent avec que dalle à la fin du mois en tant que retraité. Donc cette réforme, elle permet aussi d'avoir un plancher à 1 200 euros par mois qui n'existe pas aujourd'hui et de faire en sorte qu'on n'ait plus de retraités sous le seuil de pauvreté. Vous posez une question ? Oui, allez-y. Vous ne pensez pas que si vous n'avez pas eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est justement à cause de cette réforme des retraites ? On peut faire dire absolument ce qu'on veut au résultat d'une élection. Moi, ce que j'observe, c'est le président de la République. Ça peut être une explication quand même. Ça peut en être une, comme d'autres. J'observe qu'il y a une majorité. Elle n'est certes pas absolue. Vous savez que certains de vos collègues disent qu'on a perdu 50 députés à cause de cette réforme des retraites. Chacun a son analyse. Ce n'est pas la mienne. Et moi, au contraire, j'observe qu'il y a pas mal de personnes qui nous disent que c'est une nécessité de faire cette réforme. Et cette réforme, elle apporte aussi plus de justice pour certains cas. On va parler du cas de la justice. Le mot n'a pas été employé par la Première ministre, le mot de justice, oui. Dans ses 45 minutes d'interview dans l'émission politique avec Caroline Roux. Laurent Berger, après ses 45 minutes d'interview, a dit une phrase assez dure. Il a dit, la première chose qu'il a dit, c'est « je note le manque d'empathie de la Première ministre ». Vous le trouvez injuste quand il dit ça ? Moi, je vais vous dire très honnêtement, je trouve tout le monde très injuste vis-à-vis de la Première ministre. J'ai même entendu qu'elle était comparée à Margaret Thatcher par des leaders politiques importants. Non, il a fait un lapsus. Non, il y a eu plusieurs émissions de télévision dans lesquelles des éditorialistes ou des responsables politiques l'ont comparé. Leur seul point commun, c'est d'être deux femmes de pouvoir. Margaret Thatcher, c'est une ultra-libérale. Elisabeth Borne, c'est une social-démocrate. Donc vous l'avez trouvé empathique jeudi bien soir sûr, à la télévision. Mais au-delà de l'avis qu'on peut avoir sur tel ou tel, et vous savez très bien que quand une femme ne sourit pas assez, elle va être pas assez empathique, pas assez douce, etc. Au-delà du point de vue, cette réforme, elle a considérablement évolué. Pourquoi ? Parce qu'Elisabeth Borne a concerté des mois de concertation avec les syndicats. On a augmenté ce plancher que j'évoquais tout à l'heure. Il est passé de 1 000 à 1 200 euros. Des améliorations ont été prises en compte. C'est faux de dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Alain Marchal, puis Philippe Besson. Alain Marchal. Non, mais dans les premières explications, Madame Schiappa, vous avez vu, c'est assez manichéen, en fait. Si on ne sauve pas le système, ce sera un système à l'américaine. Il y a peut-être... Ça, c'est le nouvel élément de langage. Oui, ça, justement. On l'entend depuis... Vous avez dit... Alors, je l'ai toujours dit, je disais déjà sous Édouard Philippe, quand on avait un projet de réforme des retraites. Parce que j'y suis attachée, et même enfant, j'ai manifesté pour le système de retraite à répartition. C'est où ça, ou le chaos ? Où ça, ou les États-Unis ? Vous avez parlé de chaos ?
Bah si, parce que ce qu'on a en tête du système américain, c'est de voir des retraités qui sont derrière les caisses des supermarchés. Bah, c'est quoi si c'est pas la répartition? Bah, quel système? Il y a peut-être une autre réforme à trouver. Vous êtes pour un mix avec de la capitalisation? Bah, les Français, déjà, ils capitalisent. Quand ils achètent leur maison, ah, c'est ils intéressant. Capitalisent. Bah, moi, je suis pour un système de répartition. Non, mais c'est de facto, quand on cherche à avoir son logement, c'est on capitalise aussi. Mais ça, c'est tout le monde essaye d'avoir son logement. Mais là, c'est autre chose. Non, c'est parce que vous êtes arc-bouté sur l'âge, comme il y a eu l'âge pivot au moment de la... Ah, ça fait longtemps que je n'étais pas allée chez les grandes gueules. Pardon, ce soir. On vous les présente. Parce qu'on est bien. Allez, on y va. Vous êtes bien, allez-y. Non, mais simplement, il y a 5 ans, vous défendiez une autre réforme. Et je pense que ça joue aussi dans la crédibilité de ceux qui portent cette réforme. Emmanuel Macron fournit aux opposant à cette réforme les meilleurs arguments parce que depuis 5 ans, il a dit le contraire. Il a dit que ce système par répartition, était peut-être en bout de course, qu'il fallait inventer autre chose. C'était la réforme par points qui était plus compliquée, mais qui était peut-être plus intéressante. Il a dit aussi qu'il fallait, même s'il avait été réélu, qu'il tienne compte que beaucoup de gens avaient voté pour lui, mais qui ne pensaient pas comme lui. Et ça, il a un peu oublié. Ce vote m'oblige. Non, surtout, Marlène Schiappa, si vous me permettez, vous aussi, vous avez changé d'avis. Parce que, pardon, je vais vous sortir. Magnéto Serge, c'est tout de suite. Mais on y va tout de suite. J'aurais été déçue que vous le fassiez. C'est Magnéto Pascal, parce que il y a dix ans, cher Pascal, le réalisateur que je salue, il y a 10 ans, au moment de la réforme Sarkozy-Fillon, qui voulait passer de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite, voilà ce que Marlène Schiappa à l'époque disait. Les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue et si possible être assez bien payé pour ne pas balayer les McDo alors qu'ils marchent avec une canne. Vous étiez contre passer de 60 à 62 ans et maintenant vous êtes pour passer de 62 à 64 ans. Où est la logique? Non, à l'époque il y avait différentes propositions sur la table, notamment celle de 67 ans. Je pensais que vous alliez passer mon autre tweet dans lequel je parle de l'emploi des seniors à l'époque également. Là, je vous parle de ça, on l'a aussi, l'emploi des seniors, mais pour moi, il y a 10 ans, vous dites qu'il ne faut pas passer à 62 ans parce que c'est injuste, parce que les gens veulent profiter de leur retraite. Je ne parle pas de 62 ans dans mon tweet. Ah non, non, honnêtement, il y a la suite. Vous pouvez mettre l'autre. Je parle de 67 ans, qui était la proposition qui était faite par la frange droite des LR. Vous étiez opposé. Voilà, c'est celui-là. Je parle de 67 ans. Vous relayez un peu. Franchement, on peut retrouver. Ah, vous relayez un post de votre blog. Vous expliquez à votre fille à l'époque, dans un blog, que vous étiez opposé à l'âge de passer de 60 à 62 ans. Oui, oui, tout à fait. Pour toucher une retraite à taux plein, pour beaucoup de Français, il faut travailler jusqu'à 67 ans. Enfin, je suis de gauche. Ce n'est pas un scoop. Je ne vais pas m'en excuser. Je l'étais il y a 13 ans. Je suis toujours de gauche aujourd'hui. Et c'est pour ça que je défends une réforme de justice. Et ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas demander aux seniors de travailler. Mais qu'il y a besoin de la droite quand même pour passer. Mais ça peut être une réforme de justice. Moi, je suis convaincue qu'il y a des gens de gauche qui voteront cette réforme également. Il y aura un débat parlementaire. On écoutera Olivier Dussopt. Je vous remercie pour lui. On le salue. Absolument. Il y aura un débat parlementaire et la réforme, elle pourra encore être améliorée. Je vais vous donner 2 exemples, si je peux le faire. Allez-y, bien sûr. Pour vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est une réforme juste. Vous savez, il y a 2 cas dans lesquels, jusqu'à présent, ça n'était pas pris en compte, vos années n'étaient pas prises en compte pour votre retraite. 1, les congés parentaux. Et je suis très attachée, j'ai présidé 10 ans une association qui s'appelait Maman Travail. Quand on a été en congé parental, grâce à la réforme, ce temps-là sera pris en compte dans le calcul. Et la question de l'apprentissage, c'est une grosse priorité du président de la République Emmanuel Macron. Maintenant, grâce à la réforme, quand vous avez passé du temps en apprentissage, ce sera pris en compte pour votre départ à la retraite. On va entendre Philippe Besson, Walidia, mais d'abord Paul de Saint-Sernin. Marlène Schiappa, moi pour le coup, là, je suis admiratif parce que ça n'a pas dû être facile pour vous. D'un côté, votre combat de toujours pour les femmes. De l'autre, cette réforme de votre gouvernement qui désavantage les femmes. En fait, vous avez dû choisir entre sauver les femmes et sauver votre poste. Et du coup, je me demandais, comment ça va le boulot alors? En fait, ce n'est pas une réforme qui va désavantager les femmes. Et je sais que vous êtes... Enfin, moi, je vous trouve extrêmement drôle, vraiment. Ce n'est pas du tout le sujet. Ça commence comme ça, c'est mauvais, frère Gérald. Non, non, vraiment. Mais pardon, mais vous êtes vraiment dans la caricature. Quand vous parlez de sauver les femmes, au contraire, cette réforme, elle va soutenir ces femmes. Je vous parlais tout à l'heure de ça. Les femmes vont travailler plus que les hommes. Non, elles ne vont pas travailler plus que les hommes. C'est votre étude d'impact. Non, non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Léa Salamé. Les femmes ne travailleront pas plus que les hommes. Elles vont travailler 8 mois contre 5 mois pour les hommes. Elles vont travailler 8 mois de plus contre 5 mois. Partiront toujours plus tôt que les travailler. C'est votre étude d'impact qui le dit. Léa Salamé, écoutez-moi. Vous allez corriger pour les femmes qui commencent tôt. Elles partiront toujours plus tôt que les hommes, en moyenne, à la retraite.
aujourd'hui les femmes parlent plus tôt, elles partiront plus tôt. Et il y a deux choses importantes pour moi. Ce plancher, je suis désolée, mais les femmes qui aujourd'hui sont, par exemple, une conjointe collaboratrice, qui aujourd'hui est à 850 euros, c'est un exemple, quelqu'un dans ma famille, qui est à 850 euros par mois, elle a 68 ans, elle doit faire du cumul emploi-retraite. Et elle, elle me dit, moi j'aurais préféré partir un an plus tard et avoir une vraie retraite avec un plancher à 1900 euros pardon, que faire du cumul emploi-retraite. Pardon, mais votre collègue Franck Riester s'est planté quand il a dit que oui, ça désavantageait les femmes. Moi, je ne vais pas tirer sur les petits camarades, je sais trop qu'il n'y a que les planqués qui ne se trompent pas, mais bien sûr. Il n'y a pas tiré ou pas sur. Qui a raison parce c'est, que... c'est le ministre des Relations avec le Parlement, il fait un travail difficile et important que je salue vis-à-vis des relations avec le Parlement. Parfois, vous êtes moins langue de bois, parfois. Mais il a dit que cette retraite est un problème pour les femmes plus que pour les hommes. Oui, il l'a dit. Quand même, qu'elle était inégale. Moi, je vous donne les arguments qui sont réels. Trompé, qui sont alors. Aussi dans l'étude d'impact. C'est pas le sujet, je ne suis pas là pour donner des bons et des mauvais points, je ne suis pas maîtresse des. Philippe Besson, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme de retraite? Vous qui avez. Vous qui êtes pas loin. Non. Je suis à deux doigts, moi, j'y arrive. J'y arrive, je fonce dessus, oui. Merci. Non, vous, maintenant, je suis beaucoup plus loin maintenant, beaucoup plus loin. Philippe Besson, vous qui avez beaucoup soutenu Emmanuel Macron, il fut un temps. Je suis proche de lui. Suivi, écrit. En tout cas, oui. Accompagné. Moi, je suis. Absolument, on peut en faire encore. Qui a terminé. Sur votre tandem. Ça a donné non, mais si on peut dire de mieux, ça a donné un magnifique roman, quand même. Un personnage de roman. Voilà, c'est un des. Comment elle essaie de vous acheter c'est alors, bien. La réforme des retraites. Alors, non, moi, le problème, c'est que. Un magnifique roman. Non, alors, ça n'a pas marché. Le truc, en même temps, si je trouve excellente, Marlène, dans la défense des choses, mais. Merci, Philippe. Moi, je suis très attaché au système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, à la répartition. Je pense que c'est un des piliers de notre modèle social et qu'il faut tout faire pour le préserver. Et que s'il devait être en danger, il faudrait faire tout ce qu'il faut pour le préserver et que, sans doute, il y a des mesures à prendre. Mais pour autant, une fois que j'ai dit ça, je pense que cette réforme, c'est vraiment la mauvaise réforme au mauvais moment. Et si j'étais même cruel, je dirais que c'est presque la pire réforme au pire moment. Alors, je sais qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire une réforme des retraites, c'est ce qu'on va m'objecter. Mais enfin, quand même, on sort de 2 ans et demi de Covid. On est en guerre, il y a la guerre en Europe depuis 1 an. Il y a 6% d'inflation. Les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois, enfin, ont des problèmes de fin de mois. On nous a expliqué aussi, grosso modo, que peut-être on allait avoir des coupures d'électricité et de chauffage cet hiver. Qu'on va tous mourir à cause de... Par ailleurs, le dérèglement climatique va tous mourir dans les 20 minutes. Et donc, on nous dit, tiens, j'ai une idée géniale, je vais passer la retraite à 64 ans. Franchement, c'est quand même un problème d'opportunité, c'est totalement débile. Le public est d'accord. Et en même temps, je passe la retraite à 64 ans. Philippe, vous l'avez dit à votre ami. Mais oui, Ah non, si. Mais c'est pas un scoop que... je peux parler et n'avoir strictement aucune influence. Mais vous avez le droit d'avoir des désaccords aussi. Non, mais on a des désaccords, l'amitié n'empêche pas. Mais qu'est-ce qu'il vous répond? Je pense qu'il est toujours très déterminé à aller jusqu'au bout. Je pense qu'il il y a une des choses qui caractérise le président de la République, c'est le courage. On le voyait en 2016 dans sa campagne, on le voit aujourd'hui, il tient ses engagements. Un courage, vous êtes d'accord? Attention, parce qu'entre le courage et l'obstination, c'est deux choses... Le courage en politique, c'est parfois vous aussi êtes de reconnaître. Vous êtes les premiers à reprocher aux responsables politiques d'avoir un programme, d'être élu et de ne pas tenir leurs engagements. Pour une fois, on a un président qui tient les engagements sur lesquels il a été élu. Moi, je trouve que ça mérite d'être salué. Walidia. Vous avez quand même une capacité incroyable à prendre la parole et proportionnellement, le rejet monte. C'est-à-dire que les gens n'écoutent plus du tout ce que vous racontez sur cette réforme des retraites. Il y a de plus en plus de gens, il y a des grèves qui s'agrandissent, vous êtes obstinés dessus. Il y a des réformes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. On a l'hôpital qui est en train d'exploser, on a les écoles qui ont des fuites et des cafards. Je pense que prendre 2 ans de vie aux gens en plus, il y a un vrai problème de flair. Et je pense que les... Et prendre 2 ans de vie, pardon. Là, je vais aller dans votre sens, mais pour essayer de comprendre. Prendre 2 ans de vie, c'est demander un effort de travail. C'est pas... C'est pas réduire la vie. C'est pas réduire la vie. C'est pas... Et après, il y a le débat philosophique de la vie au travail. Non, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour eux, c'est un fondamental. Donc, l'idée qu'il va falloir attendre 2 ans de plus pour être dans cette situation-là... Pas tout le monde, Philippe. Les gens qui ont commencé tôt continueront à partir plus tôt. Et puis, il y a la double peine. Pourquoi avoir fait les 64 ans et l'augmentation de la durée de cotisation? Il pouvait simplement s'agir d'augmenter, enfin, de pousser la réforme Touraine, qui prévoyait l'augmentation des durées de cotisation. Mais non, et 64 ans, on s'en fiche. C'est pousser la réforme Touraine, c'est exactement ce qu'on... Heureusement, vous êtes soutenu par Philippe Besson. Hein, parce que... Non, mais on peut avoir du débat. Non, mais moi, je pense que ça marche pas. La démocratie, c'est utile. Et d'ailleurs, il y aura aussi le débat parlementaire qui permettra d'améliorer la réforme. Et après, ce sera le 49-3, si jamais vous n'arrivez pas. Non, il y aura un vote. Moi, Charléa, je crois dans la démocratie parlementaire. Il n'y aura pas de 49-3. Pour l'instant, il n'y aura pas de 49-3.
Je ne sais pas. Pour l'instant, il y aura... Non, non, mais je suis honnête. Pour l'instant, il y a 20 000 amendements qui ont été déposés. Moi, je souhaite qu'on puisse étudier les amendements sérieux de tous les parlementaires, de tout bord politique qu'ils soient, pour améliorer encore cette réforme, parce que je suis convaincue qu'elle peut encore être discutée, qu'elle peut encore être améliorée. Et c'est le travail mené par Elisabeth Borne depuis maintenant plusieurs mois. Paul de Saint-Sernin. Justement, moi, je pense que c'est vous qui avez raison, Marlène Schiappa, cette... Au ça final, commence c'est... bien aussi. En général, ça. Non, en vrai, je vais être très sérieux. Cette réforme va être améliorée, va être modifiée. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être une réforme petit bras. Ça va être une réforme qui va toucher les femmes contre leur gré. En fait, on aurait dû l'appeler la réforme Damien Abad, je pense. C'est validé par les GG, on la garde. On la garde, Paul. Moi, j'aimerais vous avoir en conseil des ministres. Est-ce que c'est possible pour faire des interventions comme ça de temps après en temps? Après les influenceuses, parce que... voilà. Ah, elle a mis longtemps à venir, celle-là. Pas mal. On va le redire. Marlène Schiappa, dans un instant, vous allez débattre avec Marion Maréchal. On va parler de sécurité, notamment, et d'immigration. Mais je voulais juste dire un c'est petit pas mot. Vrai. On va c'est parler ça. D'immigration ça avec Marion Maréchal Le Pen. Pardon? Alors, c'est nouveau. Ah bah oui, d'ailleurs, on ne dit rien, c'est du nouveau. C'est surprise. Oui, c'est surprenant. On va parler de ça. Surprise. On ose ici. Mais vous avez besoin d'avoir son avis sur ce qu'elle pense de l'immigration. Accessoirement, il y a un projet peut-être de loi qui est arrivé. D'avis. Peut-être elle a changé d'avis. Peut-être elle a changé d'avis. Peut-être elle veut rien pas être noire et d'arabe. On ne peut pas être tous contre elle. On verra. On ne peut pas être tous contre elle. On peut. Non, on ne fait pas ça. Au niveau du plan de table, c'est là. Non. Mais juste un mot de votre podcast, Christophe. Oui. De Chavannes cherche copain, vous avez lancé un podcast et votre première invitée, c'était madame. Donc ce serait c'était dommage. C'était Marlène Schiappa la première semaine. Alors, ouais. C'est quoi ce podcast? Ah, ben, c'est un podcast, vous voyez, comme ça. C'est, de toute façon, c'est un club de rencontres d'amis, hein, de copains, j'insiste. Et où je reçois des gens que j'aime et que je ne connais pas, ou que je respecte, ou qui m'intéressent. Il y a peu de chances que j'invite des gens qui ne m'intéressent pas et que je n'aime pas, mais sinon, que je connais. Et qu'est-ce qui vous a surpris quand vous avez interviewé Marlène Schiappa? Alors écoutez, il y a des choses qui m'ont surpris, c'est qu'elle arrivait à ne pas faire ce qu'elle vient de faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on pouvait dialoguer sans qu'elle parte dans une espèce de furibonderie sans s'arrêter, hein. Et donc ça déjà. C'était un super podcast. C'était une très belle rencontre, Christophe. C'est moi, très j'ai gentil. Beaucoup aimé. C'est très gentil. C'est en ligne. C'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs. Mais pour l'heure, vous restez avec nous. Et François Hollande la semaine prochaine. François Hollande la semaine prochaine. Et Glucksmann, un certain Glucksmann. Je ne sais pas. On va passer à Philippe Cavrivière. Le rendez-vous que vous attendez tous. Ça va? Bonsoir, Philippe. Ben écoutez, là, vous voyez, cette semaine, c'est un grand oui. Là, je suis content de l'émission. Ah oui? Non, vraiment, je suis l'émission. Autant... Autant la semaine dernière. Putain, autant la... J'aime pas dire du mal des absents, c'est pas mon genre. Il fait ça chaque semaine. Autant la semaine dernière, c'était pas terrible. Non. Il y avait du philosophe austère, il y avait du journaliste un peu donneur de leçons, comme ça, non. Dans l'oreillette, parce que moi, je dis tout aux gens. Dans l'oreillette, il y a le réalisateur qui me parlait, qui disait « Attention, c'est on est chiant, la semaine dernière ah. !» Ouais, c'était disait, pas Pascal Rétif. Non, il disait « On est chiant, vite, Paul, une vanne, Christophe, un calembour. » Ça n'a pas suffi. Je t'emmerde. Oui, ça n'a pas suffi à sauver l'émission. Voilà. Et là, ce soir, j'ai confiance. En plus, Léa m'a dit juste, et ça va vous faire plaisir à tous, parce que juste avant l'émission, elle m'a parlé. Elle m'a dit, alors, ce soir, certes, on est moins un télo. On est un peu plus bistrot. On va apprendre moins de choses, mais on va moins se faire yèche. Parce qu'elle est un peu triviale. Elle peut être triviale en télé. Oui. On en parlait à l'instant. Oui. Le sujet de la semaine, évidemment, c'est la réforme de retraite. Elisabeth Borne. Ça divise. Eh ben, il y a Marlène et le reste du monde. Ça divise. Il y a deux équipes. Alors, les 64 ans, ben, on ne bouge pas. Hein. Inflexible. Sœur Sourire a choisi une pédagogie. Non, c'est une pédagogie ferme. C'est ferme. C'est ferme ta gueule. Ferme, ferme bien ta gueule, mais attention. Elle veut bien dialoguer, à condition qu'on soit d'accord avec elle. Et c'est un concept. Et c'est même très féminin comme concept. Vous, les femmes, vous êtes un peu comme ça. Alors, forcément... On s'égare. Forcément, à cause de ce détail,
de ce, c'est un manque de souplesse des syndicats qui ne veulent pas être d'accord avec Elisabeth. Le conflit dure à cause d'eux, vous voyez. Alors, on sent que ça va être long, même sur BFM, ils sont très pros sur BFM, on sent qu'ils ont déjà un point de côté, ils en ont... Ça, là, tous les soirs, ils en ont marre, ils en peuvent plus, et c'est vu, je les regarde tous les soirs, qui ont sorti cette semaine du placard. Là, voilà. Là, Montebourg-Copé, là, ils ont un peu nettoyé la naphtaline, tout ça, la poussière, puis... Bon, en fait, je vous dis comment ça s'est passé. Il y a Marc-Olivier Fogiel, qui est le patron de BFM. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a Montebourg et Copé. Bon, Marco, il a dit, vous êtes sûr? Shirley Dino ne peuvent pas venir. Bon, bah, tant pis, on prend Montebourg-Copé. Bon, ouais, Montebourg-Copé, du coup. Alors, je me moque, mais je les regarde tous les jours. Et il y a un autre journaliste que j'aime beaucoup, c'est Yves Calvi. Je ne le connais pas bien, mais je le trouve sympa. Je suis sûr que c'est quelqu'un de sympa. Et il y a ce duo, Alain Marchal et Olivier Truchot. Et pour moi... C'est un petit peu les Catherine et Liliane de l'info. Mais c'est bien d'avoir un président jeune. Tout à fait. Et on a besoin de ce souffle, hein, évidemment. Hein. Mais ça me fait quand même drôle, parce que moi, j'ai jamais eu un président plus jeune que moi. Quoi. Et moi, je me tape pas 5 ans de dégueulasserie sur le thème, hein, je te préviens. Il me donne vraiment 4 heures. Bon, arrête! J'ai besoin de mon biberon. Mais arrête, en fait! Tu viens faire pour me provoquer, me faire du mal? Non. C'est réalisé sans trucage. C'est sans trucage. Après, la mobilisation du 31 janvier contre la réforme des retraites a réuni près d'1 300 000 personnes dans toute la France. 1 300 000 manifestants, selon la police. Et c'est le vrai chiffre. On en est sûr parce que c'était encore le dry January et les policiers n'étaient pas farcis, donc ils ont bien compté, a priori. Attention, ce n'est pas le hasard aussi, le choix du 31. Ça a arrangé les syndicats aussi. Philou Martinez, là, le Tom Selleck Leader Price, il connaît les gars de la CGT. Il y en a 2-3 qui ont un peu le nez assorti au drapeau, faut le dire aussi. Hein, il s'est dit, si je les mets dans la rue le premier jour où ils peuvent reboire, la manif, elle va partir de Bastille, elle va rester à Bastille. Allez, le dernier, et on y va. Les lycéens aussi sont mobilisés et il y a eu plusieurs établissements bloqués. Bien sûr, parce que les jeunes se sentent concernés, parce qu'on est liés à eux finalement, parce que c'est eux qui vont payer pour nous. Bientôt, il y aura plus qu'un actif pour un retraité. Et moi, je veux savoir qui est mon boutonneux. Moi, j'ai déjà une tendresse pour lui, pour mon puceau qui va bosser pour payer mon sonotone, mes couches et mon déambulateur. Et ça se trouve, c'est lui. Bertrand Russell, en 1960, disait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Voilà. Alors... Quatre fois quatre, 20, mais il va direct. Hein. Bon, il n'est pas très loin. Vous voyez, on dit les jeunes, ils sont nuls en français. C'est pas vrai, ils sont pires en maths. Et de toute façon, je voudrais rassurer les jeunes qui nous écoutent, les trois. Ne vous inquiétez surtout pas pour votre retraite. Votre retraite, c'est dans 70 ans. Vous serez forcément mort avant, soit de la pollution, soit d'un tsunami, soit d'une troisième guerre mondiale. Donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu rassuré les jeunes qui éprouvent beaucoup de stress. À la SNCF aussi, la guerre... À la SNCF aussi, la grève a été très suivie. Seulement un train sur trois a circulé. Ouais, c'est quasiment un de plus que d'habitude. C'est pas si mal. C'est pas une mauvaise nouvelle. Mesdames, messieurs, en raison d'un mouvement de grève, seul un chat sur trois sera écrasé. Nous excusons de la gêne occasionnée. Oui, puisqu'on parle de grève dans les transports, on va parler de Jean Castex. Alors, vous avez rappelé, Jean, putain, pauvre Jeannot, il devient Premier ministre, il se prend le Covid. Il arrive à la RATP, il se prend une grève historique. C'est le poissard du Gers, mon Jeannot. J'espère qu'il ne sera jamais directeur de France Télé, parce que là, en 15 jours, on passe derrière Teva et France 3 Limousin. En tout cas, on rassure les fans de Jean, on a des nouvelles. Il aurait été aperçu pas plus tard qu'hier à Châtelet-Léal, reprenant El Condor Passa, avec un groupe péruvien.
tout lui va. Tout lui... Elle est morte de rire. Non, tout lui va. C'est un touche-à-tout de génie. Un rien un la vie, mon Jeannot. Marlène Schiappa, un peu de respect, c'est notre ancien Premier ministre. Il c'était votre chef. Je l'adore. Mais on l'aime tous. Et il a un potentiel mais comique, Jeannot. Il n'y a pas besoin de texte. Une photo de Jeannot, on s'emmerde à faire des textes. Alors qu'une bonne photo. Mais oui, Castex, une photo de Jeannot, on est bien. Il vous fait rire? Le poncho, oui. Philippe aussi. Merci, vous êtes gentil. Plus que le poncho. Les opposants, en tout cas les opposants à la réforme, pointent du doigt des métiers qui deviennent difficiles avec l'âge, notamment déménageurs, maçons, couvreurs. Couvreurs, mais oui. Mais le problème, ce n'est pas que les métiers physiques, Léa. Un couvreur trop âgé, par exemple, un monsieur trop vieux, il est sur un toit, il tombe. Bah, il tombe, c'est triste, mais il est tout seul. Alors qu'un commandant de bord, trop âgé, il y a 300 personnes derrière, on tombe avec. Et c'est pas... Moi, déjà, je ne monte pas dans une Twingo conduite par un octogénaire. Alors, un avion, jamais de la vie. Imaginez. Messieurs, bienvenue sur notre compagnie. Grabataire. Ici votre commandant Maurice. Maurice ou Jean-Claude, je ne sais plus comment il s'appelle. Nous allons procéder à... Nous allons procéder à l'atterrissage. Attachez vos ceintures, remettez vos dentiers. Alors, le train d'atterrissage, c'est quoi tous ces boutons-là? C'est quoi ce bordel-là? Je crois qu'on a une fuite de réservoir. Je vous rassure, c'est mon réservoir personnel. Je viens de me pisser dessus. Allez. J'aimerais bien savoir... Merci Philippe, et on le retrouve tout à l'heure avec impatience après le débat avec Marion Maréchal, ça promet. Mais avant cela, vous êtes la nouvelle star du stand-up, chère Walidia. Charline Van Honecker vous appelle la mitraillette. Pour Jamel Debbouze, vous êtes un mélange de Will Smith et d'une crise d'épilepsie. J'adore celle-là. Et vous jouez votre spectacle à guichet fermé depuis des mois. Vous serez au Zénith de Paris le 15 avril prochain avec Ensemble ou rien, c'est le titre de votre spectacle. Avec un spectacle comme ça, avec un titre comme ça, vous êtes donc candidat à la présidentielle. Mais comme tout le monde. tout le monde y va. Non, non, pas du tout. Justement, j'ai ma fonction, c'est de commenter, c'est de m'amuser avec ce qu'ils nous racontent. Et jamais de la vie, je ne mettrai le pied dans ce genre de fonction. Et même avec les sujets les plus trash, c'est-à-dire tous les sujets qui font peur à certains humoristes, il y a tout, hein, c'est bien simple, tous les sujets sensibles. J'ai compté, hein, l'islamisme, le féminisme, l'antisémitisme, la pédocriminalité, l'homophobie, le racisme, tous. Et le viol de dauphin aussi. Et le viol de dauphin, vous y allez, vous foncez. Exemple. C'est bizarre, dès que tu évoques la pédophilie, ça met un malaise dans la salle. Pourquoi? Il y a des pédophiles que ça dérange ce soir? Oui, j'en ai marre qu'on stigmatise ma communauté. Il y en a à qui ça rappelle des souvenirs douloureux du catéchisme, c'est quoi? Oh, le cliché du curé qui se tape des gamins, faut arrêter. Ben promis, le jour où ils arrêtent, j'arrête. Et on a choisi un extrait soft. On a choisi un extrait qui passait. Il est tard, tu pouvais te lâcher, Léa. J'aurais pu, mais non. De toute manière, vous prévenez dans le spectacle. Si tu cherches de la gentillesse, il y a Ahmed Silla, il y a Jarry. Mais tu t'es trompé de magasin. Non, mais c'est marrant parce que justement, c'est des gens que je connais très bien. Et on avait Ahmed Silla la semaine dernière. On n'a aucun cas un clash, mais c'est que je commence avec des vannes assez difficiles, notamment quelqu'un qui a un respirateur dans la gorge. Et je sens que peut-être au bout de 30 secondes de spectacle, j'aurais pu m'échauffer. Mais oui, non, on s'amuse avec ça. Et le but du spectacle, c'est d'arriver à tirer les gens sur ces sujets les plus compliqués et de s'amuser avec. Vous n'avez pas toujours fait ça dans votre vie? Non. Au début, vous étiez dans un humour plus light, plus soft. J'avais 20 ans. Je ne maîtrisais pas tout. J'avais commencé quand même un certain humour, mais qui était compliqué, qui se faisait parfois couper à la télé, etc. Donc, fallait que je survive, fallait que je mange un petit peu. Et à partir du moment où j'ai eu des pâtes dans le placard, c'était trop tard. Vous terminez le spectacle par la liste des gens à éliminer de la planète. Ouais. Et ça m'a fait mourir de rire. Voici. Je sais que tuer des gens, ça vous plaît. Alors, les gens qui font du vélo allongé,
Les surfeurs, ça va vous intéresser. Les surfeurs qui vont surfer là où il y a des requins qui reviennent avec un moignon. Eux, il faut les tuer. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui font du skate là où il y a des tigres. Donc, à un moment, il faut... Les gens qui mettent du latin dans toutes les phrases. In fine, stricto sensu. Bah, Macron fait pas mal ça, d'ailleurs. Les gens qui mettent petit dans toutes les phrases. Ouais, je vais acheter un petit manteau, un petit jean, des petites baskets. C'est vrai que c'est insupportable, ça. Les gens qui marchent devant toi et qui, tout d'un coup, s'arrêtent. Bah, c'est surtout à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, c'est un slalom permanent. Donc, on peut peut-être en supprimer quelques-uns. Les vieilles qui passent devant toi à la caisse parce qu'elles ont un seul article. Ça, c'est à éliminer. Ah, bah oui, parce qu'on n'a pas le temps. Nous, on a des retraites à payer. Et les pires, les gens qui promènent leur chat en laisse. Ah oui, je ne vais pas spoiler tout le spectacle, mais eux, je leur réserve une mort médiévale. C'est vrai, mais pourquoi ils font ça, quoi ? Mais je ne sais pas, on veut une révolution des chats dans la gueule, je ne sais pas ce qu'on veut, mais ça va mal finir, cette histoire. Mesdames, vous ne gagnerez jamais le combat pour l'égalité. Ils parlent de vous, Marlène Schiappa, ouais, ils parlent de l'égalité homme-femme. Parce que les hommes, majoritairement, on ne veut pas. Vous ne voulez pas ? Non, alors, ça dépend où. Par exemple, en Arabie Saoudite, le projet est clair. Voilà, le projet est transparent. En France, c'est plus sournois. Quand c'est une féministe qui parle, c'est dangereux. Quand c'est une femme voilée qui parle, c'est agressif. Quand c'est une femme violée qui parle, c'est trop tard. Donc, il y a toujours une raison de discréditer le discours des femmes. En tout cas, c'est très drôle. Et vous avez aussi un parcours intéressant. Vous avez grandi à Grenoble, Walidia, famille franco-sénégalaise. Votre père, c'était un peu votre héros, votre modèle. Vous dites qu'il est arrivé en France, c'était un autodidacte et il a gravi tous les échelons. Il s'est battu dans un environnement qui n'était pas forcément facile pour lui. Et il m'a inculqué énormément de choses. Et voilà, j'essaie de lui rendre hommage à travers ce que je dis, à travers ce que je fais. Enfant, vous vous écoutiez rire et chanson dans la voiture de vos parents, ouais, et vous rêviez d'être Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh. Bah oui, parce que c'est avec ces gens-là qu'on a commencé à se dire qu'on avait potentiellement le droit de le faire. Pourquoi ? Parce que malheureusement, à la télé, on a très peu de représentations. J'ai absolument rien contre Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard et d'autres qui m'ont énormément fait rire. Mais on avait du mal peut-être à se reconnaître, ne serait-ce qu'en termes de génération. Je parle simplement de ça. Smaïn avait commencé. Oui, mais voilà, Smaïn et qui d'autre ? Oui. Voilà. Ouais. Donc c'était le problème, c'est qu'il y en avait toujours un avant d'en avoir plein. Et le Jamel Comedy Club a permis d'ouvrir cette porte. Vous quittez Grenoble pour Nantes pour tenter votre chance dans le stand-up et vous montez à vos parents. Vous leur dites « je vais faire des études à Nantes ». Et ils vous croient. Ne me mettez pas dans la mouise avec mes parents. Je ne leur ai pas menti. Je montais pour des études à la base, ce qui était vrai. Simplement, ces études se sont malheureusement arrêtées spontanément au bout de 2 mois. Là, s'ils me regardent, ils vont découvrir. Non, ils le savent. Ils le savent. J'ai réglé mes problèmes avant. Je savais très bien chez qui je venais. Je ne voulais pas me faire prendre au piège. C'était quoi les études ? C'était de la communication. Licence 3, troisième année de licence de communication que j'ai fait pendant 2 mois, qui était très intéressante, mais je préférais aller jouer dans des bars. Décidément, vous avez beaucoup menti. C'est le principal boulot de comédien, c'est de mentir. Donc. Mais non, mais vous arrivez au Jamel Comedy Club, vous ne connaissez rien ni personne, et là, vous leur jouez du violon, à l'impro, quoi. Vous leur dites, si, je suis inscrit pour passer. Pour ouais, bah, parce que les gens qui sont... Moi, j'ai l'habitude de me faire refouler par les portiers, je connais ça. Donc, je sais que c'est des gens, parfois, qui peuvent avoir un ego et leur dire que si, j'étais là, mais le mail de mardi, etc., cette sensation de ne pas avoir bien fait leur travail peut les amener à accepter qu'on rentre. Parce que vous leur dites, effectivement, mais si, je vous ai envoyé un mail pour m'inscrire. C'est ça. J'ai jamais été... J'ai... Et le mec, il était saoulé, il vous a dit, ok, vas-y. Dit, oui, c'est bon. Et à partir de là, je suis rentré comme je suis un peu rentré partout, c'est-à-dire en escroc. Et ça me va, moi ça me va. C'était, alors j'aurais aimé que ça se passe autrement et j'aurais sûrement été reçu. C'est juste que j'étais là ce jour-là, il fallait que je rentre ce jour-là, sinon je retournais à Nantes. Donc voilà. Paul de Saint-Sernin. Et alors, comment il va mon humoristico, gaucho, bolchevico, révolutionnario, comico, sniper ? J'ai réussi, non ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais si je peux me permettre. Ouais ? Pourquoi il n'est pas là ? Pourquoi il vient pas ? Pourquoi vous le mettez à 20 mètres ? Regardez, il est bien. Il doit vous envoyer un recommandé à chaque fois qu'il a une vanne. Il peut, c'est difficile. Avec le peuple. Venir là. C'est plus simple pour les humoristes. J'ai le salaire du peuple, je suis assis avec le peuple. Mais viens, viens, viens. Deux questions pour toi, Wally. La première, c'est où est-ce que tu trouves autant d'inspiration, d'idées pour écrire tes vannes ? Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que tu tapes Marlène Schiappa dans Google Actu tous les matins ? Je réponds ou pas ? Je réponds à cette question. Bien sûr, c'est que moi, je suis un commentateur.
J'adore regarder ce qui est dit. C'est plus facile avec les tweets, en plus, Marine Chapa, parce qu'Internet a une bonne mémoire. Donc on s'amuse bien. C'est... Vraiment, avec Renaissance, il y a une sacrée dose d'amusement. Moi, je trouve très drôle, si je peux me permettre. Voilà, très méchant. C'est gentil, mais j'arrêterai pas, Marine. Mais... J'aurais essayé, vous pouvez pas m'en vouloir. Vous avez vu comment elle essaye d'acheter chaque invité. Ouais. J'adore écouter les grandes gueules. Votre roman était magnifique. Je vous trouve très drôle. On a fait une super rencontre. On avait une... Il n'y a qu'avec vous que je n'ai pas encore essayé. Vous ne voyez pas la politique? Non, moi, je suis pas achetable. Aujourd'hui, vous vous sentez à votre place, à la fois sur scène, à la fois sur Inter. Oui, 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 là, vraiment, j'ai aucune pression. Et en télé? En télé, ben, regarde le piège que tu m'as tendu. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça arrive. En tournée, en tout cas, Walidia, dans toute la France, avec votre spectacle Ensemble ou Rien, jusqu'à Bordeaux, les 22 et 23 février, à Marseille, le 11 avril, à Paris, le 15 avril. Ce sera la dernière date au Zénith pour la toute dernière représentation du spectacle. Merci Walidia, vous restez avec nous. On en vient maintenant à notre invitée de minuit. Elle a été l'étoile montante de la politique. Elle a marqué la dernière présidentielle en choisissant Éric Zemmour plutôt que sa tante Marine Le Pen pour l'élection. Un an après, a-t-elle des regrets? Comment peut-elle rebondir? Sera-t-elle candidate aux européennes? On accueille Marion Maréchal. Bonsoir Marion Maréchal. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre invitation. Vous connaissez tout le monde? J'ai découvert un certain nombre de personnes ce soir, mais un certain nombre, oui. Alors ça m'a étonnée parce que j'ai lu que vous refusiez en général de participer à des émissions d'infotainment. Pourquoi vous avez accepté notre invitation? Pourquoi? Où est-ce que vous avez lu ça? Je sais pas, j'ai lu ça, je ne sais plus où, mais j'ai lu que vous étiez... Dans Playboy. On en est, Dans Playboy. que vous alliez en général sur des émissions 100% politiques. J'ai une petite préférence, oui, parce que c'est vrai que parfois le mélange des genres, je trouve, ne permet pas toujours de développer sa pensée de manière efficace. Et puis c'est vrai que souvent on voit à travers l'humour qui est fait, en réalité, beaucoup de politique. Et donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a les armes de l'humour d'un côté. De répondre quand on est, nous, sur le fond politique. Et c'est vrai que faut pas m'attaquer tout de suite. Non, pas vous, pas vous. C'est rien de personnel. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur le terrain de l'humour, et très bien. Et vous êtes sur le terrain du racisme, passez, c'est un autre truc. Vous commencez fort, tout de suite, et c'est moi qui attaque. Pas tout de suite. Et c'est un peu tôt qu'on se chauffe un petit peu, quand même. Dans quelques minutes, vous allez débattre avec Marlène Schiappa sur deux sujets d'actualité. D'abord, le projet de loi immigration de Gérald Darmanin, qui a été présenté en Conseil des ministres cette semaine, et vous allez en parler. On en parle moins que la réforme des retraites, mais c'est un autre sujet qui arrive dans l'actualité. Et puis, les chiffres de la délinquance pour 2022 qui ont été publiés et qui, Marlène Schiappa, ne sont pas bons. On en parlera également. Mais d'abord, quelques mots sur les retraites, évidemment. Alors là, pour le coup, vous êtes d'accord avec Marlène Schiappa, il n'y a pas lieu de débattre, puisque vous, la retraite à 64 ans, vous êtes pour, vous seriez député, vous la voteriez. Alors la réforme des médecins. Le raccourci est un peu rapide, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures aujourd'hui qui ont été reprises par Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui était dans le programme d'Éric Zemmour, parmi lesquelles, vous avez raison, l'allongement de la durée. Néanmoins, il y a plusieurs... Première blague, elle avait dit qu'elle faisait pas d'humour. Mais en fait, si vous voulez, moi, j'ai un potentiel en réalité. Si, ouais, je vois ça, mais, mais si, puisque de fait, Emmanuel Macron, la réforme historique qu'il voulait mener, vous vous en souvenez, c'était une grande réforme systémique à point. Voilà. Puis me semble qu'il a changé d'avis. Il l'a abandonné. Avant même de lire le programme d'Éric Zemmour. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont alignées et on en arrive là où on est aujourd'hui. Néanmoins, ce qui me pose une difficulté dans la manière dont est amenée cette réforme, c'est moins, on va dire, un certain nombre de mesures qui sont mises en place que le contexte dans lequel elle se met en place. Je m'explique. C'est-à-dire que la réforme telle que nous la pensions, elle s'inscrivait dans une réponse générale politique cohérente. Nous, c'est Reconquête. J'entends par là... Oui, tout à fait. Oui, non, pour pas qu'on... Absolument, absolument. Je n'ai pas plusieurs personnalités. Non, parce que quand vous avez quitté votre tante et puis qu'il y a eu ce 2022 où tout a changé, Absolument, je suis chez Reconquête aujourd'hui, donc nous... Et ça va Reconquête, Éric Zemmour. Mais ça va bien, je vous remercie. On va y venir, mais sur le retraite. On va y venir. Pardon. Du coup, un cadre général et qui, avec un certain nombre de prérequis qui, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas au rendez-vous. Je pense notamment, et on aura l'occasion peut-être d'y revenir, à la question d'une vraie politique de natalité, parce qu'on en parle beaucoup, la
difficulté, c'est le problème de cotisants par rapport au nombre de personnes qui bénéficient évidemment des pensions. Or là, c'est vrai qu'on a un manque de perspective et d'ambition. Je rappelle quand même, depuis 45, il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France. Donc c'est un vrai sujet structurel de fond. Et là, on voit bien que toute la politique familiale qui était détricotée depuis les années Hollande, il n'y a pas véritablement de nouvelle offre qui est apportée. Mais là, je vous posais la question sur les 64. Oui, mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous faites cette réforme avec les mesures paramétriques qui sont faites, mais qu'en parallèle de ça, vous n'avez pas de vraie politique de l'emploi, pas de vraie politique de la natalité, dans 5 ans, je prends date avec vous, on est de nouveau autour de ce plateau pour dire, ah ben du coup, on va passer de 64 à 65, d'accord, ou de 65 mais à là, 66. Vous allez répondre, parce qu'en fait, cette réforme ne garantit absolument pas que demain, il y aura plus d'actifs sur le marché du travail. Mais répondez-moi, c'est juste, sur les 64 ans, vous y êtes favorable. Oui, tout or, à fait. Or, vous passez votre temps à dire que vous êtes la volonté du peuple. Là, vous entendez le peuple, je ne sais pas moi ce que ça veut dire, mais je vous reprends votre terme, il est massivement contre cette réforme. Mais c'est pas grave. Moi, je vais vous dire, déjà d'une, je forge pas mon avis en fonction des sondages. Ça, c'est une première chose, donc c'est un élément quand même important. Ensuite, là où je comprends parfaitement la mobilisation des Français et leur opposition, c'est que je crois qu'il y a un sentiment très largement partagé d'injustice. Pourquoi ? Parce que cette réforme, elle intervient, c'est vrai, à un moment donné où déjà il y a une situation d'inflation, ça n'aurait échappé à personne, qui met les Français en grande difficulté. Donc on va dire que c'est un coup de massue supplémentaire, on leur demande un effort supplémentaire alors que déjà les fins de mois sont difficiles, premièrement. Deuxièmement, il y a un certain nombre, on va dire, de motifs qui peut les amener à avoir un sentiment d'injustice. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je crois que les Français ont l'impression que l'État et le gouvernement ne font pas les efforts nécessaires et demandent toujours aux mêmes de travailler davantage et de faire des efforts. Je m'explique. Bah oui, il y a, par exemple, je ne comprends pas, parce que vous êtes clairement pour la réforme à 64 ans. Exemple, là, vous nous expliquez qu'elle est injuste et que ce n'est pas le moment, mais vous êtes pour. Vous auriez été au pouvoir, vous l'auriez fait. Je suis en train de vous dire que je partage et que je comprends aujourd'hui le sentiment d'injustice des Français. Mais vous êtes pour quand même. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que, en l'occurrence, il y a aujourd'hui, et vous le savez, Madame Schiappa, des assises des finances publiques qui vont être lancées dans les mois à venir. Démarche intéressante qui va consister à faire en sorte que l'État fasse un certain nombre d'économies pour lutter contre la gabegie, la bureaucratie. C'est dommage, pour ne prendre que cet exemple, que cette démarche-là d'effort de l'État n'ait pas eu lieu avant que la réforme soit lancée. Parce qu'une fois de plus, les Français ont le sentiment qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé sans qu'en parallèle, le gouvernement et l'État ne fassent l'effort. Et juste, j'ajouterais, je ne parle que là de la gabegie d'État. On pourrait parler de l'argent qui est dépensé à plein à l'étranger, 1 milliard il n'y a pas très longtemps pour l'Afrique du Sud. On pourrait parler des fraudes, près de 8 milliards selon la Cour des comptes de prestations sociales à l'étranger. On pourrait parler d'un certain nombre de systèmes qui existent, comme l'aide médicale d'État, qui coûte près d'1 milliard d'euros par an pour le soigner les clandestins. Marlène Schiappa, vous êtes pour la suppression. Pardon, il y a beaucoup de sujets. D'abord, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, je vois très bien ce que vous dites. Cet énervement, il vient d'un sentiment d'injustice. L'énervement des Français contre la réforme des retraites ne vient pas d'une insurrection vis-à-vis de l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que c'est l'aide médicale d'État ? C'est un cadre général. C'est quelque chose qui... Non, il n'y a pas un manifestant qui avait une pancarte pour dire non à l'aide médicale d'État. Ça s'appelle non, mais l'AME. Sur l'AME, pour moi, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. L'AME, c'est quoi ? C'est des personnes qui viennent là, qui viennent de pays étrangers, qui sont malades et qui ont la possibilité de se faire soigner. Non seulement on le fait, seul au monde à proposer cela. Non seulement on le fait. Attendez, non seulement on le fait pour une question d'humanité, parce qu'on est en France, on ne laisse pas crever les gens en France, d'accord, mais on les soigne. On laisse pas crever les gens en France, leur nationalité, et nulle part ailleurs, c'est la première chose. Attends, parlez pas en même temps. Alors là, j'ai pas en train de répondre. Allez-y, pardon, mais c'est vrai. Donc, nous sommes en France, nous ne laissons pas crever les gens en France, d'accord, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur nationalité, c'est la première chose. Si vous supprimez l'AME, vous laissez des gens mourir de maladie. Non, madame, parce qu'on parle pas des soins d'urgence. La deuxième chose, il n'y a pas que des soins d'urgence. Vous avez une longue maladie d'une longue durée, c'est pas un soin d'urgence. Madame, la deuxième chose, c'est que c'est une question de santé publique. Si vous décidez par cynisme ou par xénophobie de supprimer les soins apportés aux personnes étrangères qui n'ont pas accès à la couverture médicale habituelle, ça veut dire que vous laissez se propager également un certain nombre d'épidémies. Donc, même pour une question de santé publique, si on ne voulait pas le faire par humanité, il faudrait le faire pour une question de santé publique. Il y a deux autres sujets qui ont été abordés, le plein emploi, la natalité. Vous avez dit Emmanuel Macron n'a pas de politique de l'emploi, n'a pas de politique... Oui, si, si. Répondez-vous. Une liste de griefs contre le président de la République. Non, pas du tout, mais c'est juste sur l'AME. Très rapidement.
rapidement. J'ai pas l'impression que les autres pays européens soient des pays inhumains sur ce plan-là, et pourtant ils ont pas mis en place un système tel que l'aide médicale. Ils prennent en charge, c'est tout à fait légitime. Les paroles à main d'urgence, si quelqu'un convulse dans la rue, bien évidemment qu'on le prend en charge. Ça paraît absolument évident. L'AME est une fierté du pays pour les médecins qui la pratiquent, notamment, et notamment pour les services publics et pour l'hôpital. C'est vécu comme une forme d'injustice pour beaucoup de Français qui, vous savez, ont du mal à pouvoir se payer un certain nombre de soins, qui ont des mutuelles qui prennent malheureusement très en deçà du nécessaire un certain nombre de dispositifs et qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir des soins pris en charge à 100%. La chance d'être à l'AME. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ne comprenez qu'un Français puisse avoir un sentiment d'injustice, ça veut dire qu'une personne qui arrive illégalement. Marion Maréchal, j'entends ce que vous dites et c'est quelque chose que vous avez. La suppression de l'AME, vous l'avez défendue, mais moi je vous interroge sur la réforme des retraites, vous me parlez de l'AME. Non, c'était un exemple pour vous expliquer pourquoi les Français, entre autres choses, bien sûr que je ne dis pas que c'est l'AME, évidemment, mais peuvent avoir un sentiment que c'est toujours au même qu'on demande des efforts. Voilà, c'est toujours la classe moyenne qui doit porter l'État-providence à bout de bras et que cet État-providence, il est aussi mis en difficulté par l'immigration. Je vais vous dire, je change mon ordre, je vous le dis, ce n'était pas prévu comme ça, mais comme vous parlez de l'immigration, on va y aller tout de suite. Le projet de loi immigration a été présenté cette semaine en Conseil des ministres. La philosophie de Gérald Darmanin a été résumée par cette phrase, être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Au cœur du projet, il y a plusieurs mesures pour faire respecter les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. En clair, pour expulser plus facilement les étrangers qui n'ont rien à faire sur le territoire français, et notamment ceux qui ont commis des actes de délinquance, en réduisant au maximum les recours possibles. Ce texte, il va dans votre sens. Est-ce que vous l'appuyez? Est-ce que vous pensez qu'il a des bonnes mesures? Déjà, je remets un peu le contexte en place, parce qu'il faut savoir qu'on a aujourd'hui un record historique d'immigration sur le territoire, comme nous n'avons jamais vu depuis un certain nombre de décennies. Ça veut dire que sur l'octroi des titres de séjour, on est à plus 17%, on est plus autour de 300 000. On compte les Ukrainiens dedans peut-être? Non, sans les Ukrainiens. Mmh. Donc c'est ça où c'est notamment intéressant. Il y a plus 33% de demandeurs d'asile. Il y a aujourd'hui plus de régularisation que d'expulsion. Donc c'est, voilà, je remets un peu le contexte parce que c'est important. Et donc face à cela, on a un projet de loi qui est essentiellement, je vous le dis, un certain nombre de propositions d'ordre plutôt administrative et de procédures qui ne sont pas inintéressantes pour un certain nombre d'entre elles, mais qui pour moi passent quand même à côté de l'essentiel du sujet. Je vous donne deux exemples pour aller vite. La question de l'immigration familiale. L'immigration familiale à travers le regroupement familial qui est aujourd'hui la première filière d'immigration. Alors plus depuis 2022, c'est les étudiants dorénavant, mais qui a très longtemps été la première. On est autour de 90 000 par an. Il n'y a rien sur l'immigration familiale. Rien. Ça veut dire qu'on aurait pu attendre de ce texte, par exemple, que le regroupement familial soit plus une automatique, mais qu'il y ait un certain nombre de conditions. Deuxième point. D'indépendance matérielle, d'indépendance sur le plan du logement, comme le font beaucoup de pays européens, de niveau de langue et compagnie. Deuxième point, pour parler des demandeurs d'asile, qui sont devenus aujourd'hui, je pense que c'est un état de fait pour tout le monde, une nouvelle filière d'immigration clandestine. On le sait, les personnes qui aujourd'hui arrivent sur le territoire, pour une raison très simple, Madame Schiappa, que les personnes qui aujourd'hui arrivent sur le territoire... Les gens qui fuient la guerre, la persécution, la mort, l'excision. Madame, vous le savez aussi bien que moi, parce que vous avez travaillé longtemps avec Gérald Darmanin, l'immense majorité des gens qui demandent ce droit d'asile en sont déboutés, en réalité. Donc ce sont des personnes qui n'obtiennent pas le droit d'asile. Sauf qu'une infime partie sont véritablement expulsées. D'où le fait, et je ne parle pas des vrais demandeurs d'asile, je parle de ceux qui profitent de cette filière. Pour vous donner un exemple. Donc là, on a... Apparemment non, mais... On a des mesures, on va dire, sur le plan de la procédure qui sont mises en place. Mais par exemple, une des mesures qui devrait être prise, qui changerait véritablement la donne, à savoir le traitement de ces demandes dans les pays d'origine ou dans les pays limitrophes, par exemple à travers nos ambassades. Ça n'existe pas, c'est la théorie. Allez-y, répondez sur ça. Non, mais là-dessus, répondre là-dessus et sur le reste, mais ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui est persécuté aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, ou quelqu'un qui est homosexuel dans un pays où vous êtes jeté des toits quand vous êtes homosexuel, il va aller gentiment faire la queue à l'ambassade du pays, et puis attendre de voir s'il a une réponse. Je sais pas, il peut traverser la moitié d'un continent pour venir en France, mais il ne peut pas aller à l'ambassade. Je vais terminer si ça ne vous dérange pas. Sachant qu'en moyenne, le délai de réponse est d'environ 18 mois. Quelqu'un qui est persécuté, il ne va pas attendre 18 mois dans son pays. Sur ce projet de loi, l'idée... Donc, il ne peut pas aller à l'ambassade, mais il peut traverser la moitié d'un continent. L'idée, il peut fuir pour sauver sa vie. Je vous souhaite de ne jamais avoir à vivre ça. Mais l'idée de ce projet de loi, c'est de considérer les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Par exemple, dans ce projet de loi, nous avons prévu, et nous en sommes très fiers, de régulariser des personnes qui, aujourd'hui,
sont sans papier et qui travaillent dans des secteurs dits en tension. Quand vous allez au restaurant, vous autour de la table ou les gens qui nous regardent ce soir, et bien la probabilité pour que vous ayez en cuisine des personnes qui sont sans papier et qui travaillent dans des postes qu'aujourd'hui, pour lesquels aujourd'hui on a beaucoup de mal à recruter, cette probabilité, elle est très grande. Nous, nous voulons sortir de l'hypocrisie qui vise à dire que tout le monde sait qu'il y a des sans-papiers dans la restauration, mais personne ne les régularise. Donc effectivement, quand vous allez donner des titres de séjour d'un an absolument. Pour les métiers en tension. Exactement. Ça, évidemment, vous êtes nous en sommes très fiers. Je réponds. Sur ce sujet-là. Il faut savoir une chose, c'est que cette nouvelle octroi de titres ne va pas se substituer aux autres. Il va s'additionner déjà aux autres entrées. C'est une première chose. La deuxième chose... Ce n'est pas des entrées, c'est que, déjà c'est en France. J'ai des gens qui sont arrivés illégalement en France, mais qui du coup vont être régularisés, donc qui vont arriver et qui travaillent. La parole à Marion Maréchal. Il y a quand même une chose qui m'interpelle. Vous le savez mieux que quiconque, aujourd'hui, on sait qu'il y a un taux de chômage chez les étrangers en France qui est plus important, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur, que chez les personnes de nationalité française. Il y a même parfois des détails qui sont faits par nationalité. Les personnes de nationalité algérienne qui sont résidentes en France ont un taux d'inactivité de 41,6%. C'est intéressant, si vous voulez. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des personnes étrangères qui sont déjà sur le territoire, et pour le coup, qui peuvent l'être de manière totalement légale, qui sont déjà en inactivité. On a en parallèle, parce que ça, on n'en parle jamais, mais par exemple, vous savez qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre dans les travaux publics et dans l'agriculture en Algérie aussi. Et on a ces deux phénomènes. Donc vous leur dites aller travailler, rester en Algérie, travailler, c'est ça ? Et continue de dire, non mais on explique que du coup, plutôt que d'essayer de trouver une solution au taux d'inactivité supérieur des personnes de nationalité étrangère résidentes en France, on va continuer d'importer de l'immigration. Moi, ça fait 10 ans, 15 ans, Olivier Dussopt dit que ce sont des métiers que les Français ne veulent pas. Qui explique que les métiers en tension aujourd'hui ont besoin de main-d'œuvre. Donc ça fait 30 ans qu'on importe de la main-d'œuvre et les métiers sont toujours en tension. Donc j'ai quand même le sentiment que la réponse, elle est plus idéologique que véritablement Mais les Français, politique. ils vont faire les métiers. Pardon de vous dire, parce que c'est très intéressant cette question des métiers en tension. Moi, j'entends en permanence dire, les Français ne veulent pas bosser, c'est des métiers qu'ils ne veulent pas faire. Mais quand vous regardez le détail, l'adresse a fait des analyses très intéressantes là-dessus. Métier par métier, dans les travaux publics, dans la restauration. Chez les artisans. Pour l'immense majorité, autour de 80% la plupart du temps, entre 70 et 80%, c'est des personnes de nationalité française qui font ces métiers. Les GG, qu'est-ce c'est une majorité de Français. Donc arrêtons de dire qu'ils ne veulent pas bosser en réalité. Non, une question, est-ce que l'immigration ne pourrait pas être une réponse en partie à notre problème des retraites? Puisque vous l'avez dit, il n'y a pas suffisamment d'actifs, on fait moins de bébés, ce qui est d'ailleurs un phénomène dans tous les pays riches, donc ce n'est pas seulement un problème français, même si on en faisait un peu plus que nos voisins, et malheureusement, ça s'abaisse. Des immigrés qui viennent travailler chez nous, c'est des gens qui cotisent, pour le système. À ceci près, et je viens de vous le dire, c'est qu'en fait, on se rend compte que d'ores et déjà, les personnes de nationalité étrangère qui sont sur le territoire ont un taux d'inactivité plus important. Donc on voit bien qu'il y a déjà cette problématique-là qu'on ne règle pas, parce qu'il y a la question de l'insertion des personnes, qu'aujourd'hui, ce n'est pas une immigration de travail qu'on fait d'abord venir, c'est d'abord des filières d'immigration familiale et des filières d'immigration étudiante. Donc il va peut-être falloir aussi faire une sélection. Et qu'ensuite, pardon de vous le rappeler, mais les personnes ne sont pas interchangeables, les hommes ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que quand vous faites venir des personnes sur le territoire, ça a des conséquences aussi sur le plan social, sur le plan identitaire, sur le plan du communautarisme. Alors justement, ça, sur le plan des violences faites aux femmes, Madame Schiappa. C'est-à-dire, quand vous regardez les chiffres, c'est aussi des chiffres du ministère de l'Intérieur. Quand vous avez les derniers qui ont été donnés en Île-de-France, 63% des violences sexuelles, dont 95% sont des femmes, 63% des violences sexuelles sont commises par des étrangers, des personnes. Est-ce que vous répondez à ça ? Étrangères. En 2014, parce que c'est le dernier chiffre qu'on a eu, parce que je vous donne un dernier chiffre. C'est le dernier chiffre qu'on a eu, parce qu'ensuite l'observatoire. Justement, je voudrais l'observatoire de la délinquance, 52% des viols, dont les femmes sont évidemment majoritairement victimes, ont été commises par des étrangers. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je veux bien qu'on s'en fiche, mais c'est quand même une vraie conséquence. Marlène Schiappa, vous étiez au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous... Bien évidemment, mais là, il y a un mélange de tellement de choses qu'en fait, si vous voulez, je peux prendre les sujets les uns après les autres. Madame Maréchal Le Pen déplore qu'il y ait des personnes, par exemple, de nationalité algérienne qui soient moins embauchées. Oui, pourquoi ? Il y a des discriminations à l'embauche. Donc, si vous souhaitez qu'on embauche davantage les personnes qui viennent notamment du Maghreb, il faut lutter contre le racisme, il faut lutter contre ces discriminations, et il faut travailler justement sur des plans d'intégration, ce que fait le gouvernement pour que chacun soit employable. Moi, je vais vous dire, j'ai fait naturaliser 25 000 travailleurs étrangers de la première ligne pendant la pandémie. Pendant que chacun était chez soi, faire son pain, du yoga, etc., et c'est normal parce que c'est ce qui était demandé, eh bien, vous avez des personnes qui étaient en première ligne, qui étaient agents de sécurité, nounous, éboueurs, livreurs de repas à domicile. Eh bien, 25 000 d'entre eux sont français comme vous et moi aujourd'hui. Madame, et c'est notre fierté de les avoir naturalisés. Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a certes des problèmes de recrutement,
on se rend compte qu'il y a en effet des métiers en tension. Et donc la seule réponse que vous trouvez, c'est de dire qu'il faut faire venir plus d'immigration. Alors que si qui vous parle de faire venir, on vous parle de personnes qui sont là, des gens qui sont là depuis 50, depuis 10 ans. C'est un formidable appel. Mais c'est faux. En fait, vous dites tellement de choses fausses que c'est extrêmement difficile. Je dis pas, je dis rien de faux. Vous envoyez comme signal à des personnes clandestines qu'elles ont deux fois plus de chances, parce que c'est les chiffres aujourd'hui, sont des êtres humains naturalisés, qui sont en France, qui travaillent pour vous, qui vous servent vos repas, qui préparent vos repas naturalisés, d'être régularisés que expulsés. Vous croyez que ce signal-là, il n'est pas un formidable appel d'air? Donc évidemment, qu'est-ce qu'il faut dans ce qu'elle dit, Marlène? Je sais pas, vous dites, elle dit... Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un aujourd'hui au Mali qui se dit « Ah, génial, si je vais en France et que pendant 10 ans, je cuisine les repas de Madame Maréchal Le Pen, et ben, j'aurai un titre provisoire de séjour d'un an ? » Personne ne se dit ça. Pourquoi les exilés? Personne ne se dit ça. Il y a des records aux frontières de Frontex, des records d'immigration clandestine en France, mais personne. Il y a les deux, Marlène Schiappa. Il y a les réfugiés politiques et il y a l'asile économique. Il y a les réfugiés économiques. Mais bien sûr. Il y a des gens qui viennent pour trouver du travail. Il y a des exilés. Non, mais c'est évidemment, je vous dis évidemment pas le contraire. D'ailleurs, dans notre loi, nous sommes très clairs là-dessus. Pour répondre sur la question des violences sexuelles, c'est moi qui avais obtenu dans le gouvernement d'Édouard Philippe qu'on puisse expulser immédiatement toutes les personnes qui se rendent coupables de viol ou de violence conjugale. J'ai été très critiquée pour cela. Mais c'est ce que je vous disais, nous voulons voir les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Quelqu'un qui est auteur d'un viol ou de violence conjugale, eh bien, il est expulsé de France et je l'assume Les chiffres ne sont pas bons. Non, attendez, je vais dans votre sens. Donc, les chiffres d'expulsion, les OQTF sont catastrophiques. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Non, vous défendez pas. C'est la question est à Marlène Schiappa. Ah oui. Non, pardon Christophe, mais pour le coup... On sait que les pays ne veulent pas non plus recevoir... Oui, mais là, on est à 10%. Pourquoi délivre-t-on les OQTF, sachant qu'on sait très bien qu'elles ne seront pas appliquées? C'est quand même une grande hypocrisie dans le système actuel. En Allemagne, par exemple, ils en délivrent moins. Mais quand ils ont des statistiques avec une efficacité derrière. Absolument, vous avez complètement raison. Ils ont de meilleures statistiques et de meilleurs pourcentages, si je puis dire, parce qu'effectivement, ils délivrent moins d'OQTF. C'est une question qui se pose. Est-ce qu'on doit délivrer des OQTF quand on doit expulser des personnes? En l'occurrence, la loi n'est pas respectée. Absolument. Vous ne les expulsez pas. Alors, Ça fait six ans que vous êtes au pouvoir et il faut reconnaître les choses. Je vous réponds, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est considérablement mobilisé pour qu'avec les pays qu'on dit pays tiers, avec par exemple le Maroc, les pays d'origine, on puisse de nouveau avoir un dialogue et pouvoir de nouveau appliquer les OQTF. Quand ils bloquaient l'accueil et le retour des personnes, eh bien, en fait, on ne pouvait pas les mettre dans un avion et ouvrir l'avion. Ça n'existe pas. J'ai juste une dernière question sur le sujet. Après, on va parler de la sécurité. Vous maintenez ce que vous avez dit pendant toute la campagne présidentielle, que le grand remplacement est en marche en France? Je constate que oui, mécaniquement, démographiquement, si vous voulez, au regard des entrées qu'on a aujourd'hui sur le territoire, vous vous retrouvez avec, de fait, un certain nombre de parties du territoire qui sont d'ailleurs culturellement communautarisées, avec un certain nombre de mœurs pratiques. Ce que vous dites est une aberration démographique. C'est complètement idiot, c'est totalement faux. Mais le truc, c'est que c'est pas vrai. Madame Maréchal, il y a 68 millions de Français. Il y a 68 millions de Français, d'accord ? Le solde migratoire, c'est grosso modo, parce que vous parlez toujours des 300 000, mais le solde migratoire, c'est environ 150 000 personnes. Donc vous imaginez qu'il va nous falloir à peu près 50 ou 60 ou 70 années pour que nous arrivions au grand remplacement. Donc il n'y a pas de grand remplacement. Le grand remplacement n'existe pas, sauf dans votre esprit et dans vos fantasmes. Mais non, il n'y a pas de grand remplacement. Dans le fantasme et dans l'esprit de beaucoup de Français. Je vais faire une comparaison qui va peut-être paraître bizarre et prosaïque, mais il y a 90% de Français qui sont Français, voyez, non immigrés, et il y a 6-7 millions de Français qui sont immigrés. D'accord. Je ne sais pas si vous ayez les statistiques, C'est comme, vous parlez de combat de civilisation. D'accord. Et c'est comme si vous aviez une équipe de foot qui gagne 9-1 à la fin du match, et vous dites, finalement, ceux qui ont fait un but, ils auraient pu gagner. Ben non. Non, ils ne pouvaient pas gagner. Donc, c'est complètement idiot, votre raisonnement. Quelle réponse? Allez-y. Je ne sais pas, parce que manifestement, ce que monsieur qualifie de fantasme et de délire est quand même partagé par une grande partie des Français. Laissez-la parler. Il n'y a pas eu sur le territoire français de mutations sociologiques, de mutations identitaires, d'arrivée de l'islam sur le territoire, de sa dérive islamiste et totalitaire.
que tout ça, en fait, est un fantasme et un délire, qu'il y a aujourd'hui des territoires perdus de la République, y compris identifiés et dénoncés par des hommes de gauche depuis très longtemps. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, je suis désolée de vous dire, en l'occurrence. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez, en fait. Donc, je suis navrée de vous dire. Je vous retourne la question. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Je ne sais pas où vous voyez dans la rue 90% d'Arabes et de Noirs. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous les voyez où? Je suis en train de vous dire qu'on est dans un processus. Dites-moi où vous les voyez. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a 90% de personnes qui sont d'origine. Mais je suis là! Voilà, il est là. Vous les voyez où? Vous pouvez en rire. Moi, ce que je vois, j'en ris pas. C'est que... Sur, ils arrivent, ils arrivent. Je suis désolée. Non, mais on peut prendre ça à la rigolade. J'ai pas de problème, si vous voulez. Mais quand moi, je suis dans un pays où on se retrouve garde du Nord avec un homme sous OQTF, précisément parce que le gouvernement ne fait pas son boulot, qui se retrouve à poignarder 6 personnes, quand je vois qu'encore sur les 3 dernières semaines, ça devrait pourtant vous intéresser, il y a eu un viol à Lille par une personne sous OQTF, par une agression sexuelle d'une femme en Rhône-Alpes. Bah, une autre répondait. Tout ça sous OQTF. Tout ça sous OQTF. Personne. Dans le Val-de-Marne. Ok, que la Marlène, je n'ai pas répondu. La petite Lola. Personne. Pas tous en même temps. Elle est arrivée sous un mandat étudiant, un visa étudiant. Elle a ensuite était sous OQTF. Mais ça, vous n'en avez rien à faire. Et pas en du fait. Tout. C'est ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas le droit. J'en ai beaucoup à faire, Madame Maréchal. Et ça me bouleverse autant que vous. Et je ne nie pas cette réalité. Et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Vous faites la différence entre immigration et délinquance. Vous, Marlène Schiappa, parce que Emmanuel Macron a divergé sur la question. Même Gérald Darmanin a admis le lien entre immigration et sécurité. Alors, Marlène Schiappa, là, on est dans un. Même Emmanuel Macron l'a admis, puis il y est revenu dessus. D'un point de vue rhétorique, c'est très intéressant à voir, parce qu'en fait, Madame Maréchal Le Pen nous parle du grand remplacement. Comme on lui démontre que ça n'existe pas, elle glisse et elle part à un autre sujet. Votre argumentaire, ouais, Madame Maréchal Le Pen, c'est un pot-au-feu. Vous mettez plein de restes, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec c'est les très autres. Bon, le pot-au-feu. Vous laissez bouillir et ensuite vous nous servez ça. Alors, toi, tu as des carottes, toi, tu as un bout de viande et puis toi, tu as du bouillon. Ça n'a absolument aucun sens. Le grand remplacement, et je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai été attaquée en justice par Renaud Camus sur ce sujet, donc je le dis avec la justice française de mon côté, le grand remplacement, c'est une théorie complotiste d'extrême droite qui n'existe pas. C'est un fantasme. Vous n'avez pas lu le livre. Parce qu'il y a aussi mais bien évidemment, j'ai lu non seulement le livre de Renaud Camus, mais vous parliez terrorisme, j'ai lu également le livre en anglais qui a amené à du terrorisme en Suède. C'est pas qu'un mot. Est-ce qu'il y a un sujet, madame, très gentiment, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a un sujet... Je peux pas répondre. Non, je vous critique pas. Aussi, j'aime bien la cuisine, j'ai envie de parler de pot au feu, ça m'intéresse. Oui, moi, je le dis en trois mots, moi, c'est un pot au feu. Non, mais je voulais vous poser une question gentille. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on peut vous questionner, sur lequel on peut parler avec vous, qui, dans la minute qui suit, ne dérive pas sur l'immigration? Pardonnez-moi, je finis. Qui ne dérive pas dans la minute qui suit sur l'immigration. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on peut vous parler et sur lequel on peut dialoguer sans que immédiatement il n'y ait pas ce absolument pas ce fantasme mais ce braquage sur l'immigration. Absolument, à ceci près que Madame Salamé m'a posé une question sur le projet de loi immigration proposé par le gouvernement. Non, elle vous a posé une question sur la retraite. Donc je suis désolée de vous dire, c'est sur la retraite. Vous êtes passé à l'AME directement. Non, pas du tout directement. J'ai posé un cadre général et ensuite vous avez voulu débattre pendant 15 minutes. Très bien, oh, la vilaine. Non, elle est très gentille. Mais non. Elle n'est pas vilaine du tout. Mais non. Non, c'est pas vrai. J'ai donné cet exemple. J'ai donné cet exemple comme un cadre général c'est de la démocratie. Les gens veulent. Alors, débattre, je voudrais. Mais j'ai pas de problème avec. Alain Marchal. Je suis pas venu ici ce soir, vous savez. Alain Marchal, allez-y. Bah voilà, allez-y. J'ai pas de problème avec le fait de débattre. Alain Marchal. J'écoutais ce que disait Philippe. Tout le monde tombe à bras raccourcis sur Marion Maréchal. Non, pas tout le monde. Non, mais attendez, c'était la vanne de tout. Oh non, pas du tout. Non, je dis une question, je vous jure. Ça fait deux élections. C'est vous qui êtes vilaine. Oui, c'est ça. Deux élections. Ah, ça, stop. Vous avez entendu ? Elle m'a traité de vilaine. Ça fait. Simplement. Je voudrais qu'on écoute Alain Marchal, si possible. Deux élections où les Français mettent au deuxième tour Marine Le Pen. Donc ça veut quand même dire que ça traduit une inquiétude, une préoccupation de la part d'une bonne partie des Français et qui se compte par millions. Mais c'est pour alors ça que Marine Le Pen n'a pas fait campagne sur le grand remplacement. Non, Marine Le Pen n'a pas fait la même campagne. Est-ce que j'ai dit grand remplacement? Alain Marchal. C'est moi qui parle, c'est pas Marine Le Pen. Vous défendez Marine Le Pen, j'ai pas dit grand remplacement, j'ai dit que ça dénote. Il y a du progrès déjà. Ça dénote des préoccupations sur l'immigration et l'insécurité. Eh bien, voyez, c'est pour ça que nous en parlons ce soir. Voilà, donc c'est aux responsables politiques de l'entendre, parce que sinon, après, on se retrouve, si vous voulez, dans 4 ans, sur ce même plateau en disant.
Madame Le Pen est arrivée à l'Élysée. Mais vous confondez Marine Le Pen et Élisée Montfarbeau, ils n'ont pas fait la même campagne. On parlait immigration et Philippe Besson disait mais non, la France ne change pas. Oui, mais vous avez il y a des Français qui disent la France change, ce n'est plus ma France. Et ils le disent dans les urnes, donc ça s'entend quand même. Et après, c'est vous qui êtes aux responsabilités, c'est à vous à trouver des solutions pour que la prochaine fois, après Emmanuel Macron, qui ne se représentera pas, Madame Le Pen n'arrive pas à l'Élysée à ce moment-là. Ou M. Zemmour, ou je ne sais qui à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Entre dire « la France change » et dire « il y a un grand remplacement », pardon, mais il y a un monde. Oui. Il y a un monde. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, vous avez observé que Éric Zemmour, qui a fait campagne sur le thème du grand remplacement, qui a été condamné récemment pour injure à caractère racial parce qu'une femme s'appelait Absatou et ça avait l'heure de lui déplaire. Il a été condamné en justice pour cela. Eh bien, Éric Zemmour a fait un tout petit score. Marine Le Pen, effectivement, est arrivée au deuxième tour. Je ne m'en réjouis pas, bien évidemment, parce qu'elle avance masquée, mais elle n'a pas fait campagne sur ces sujets. Il faut avoir la lucidité de l'observer. Oui, mais c'était Emmanuel Macron qui était aux affaires. Hein. Absolument. Voilà. En un quinquennat, boum, de nouveau Madame Le Pen. Voilà. Avec un meilleur score, donc vous pouvez vous interroger. Avec un Emmanuel Macron qui avait promis de réduire le score de l'extrême droite. Merci Éric Zemmour, parce que grâce à Éric Zemmour, Marlène Schiappa défend Marine Le Pen. Donc moi, je trouve ça. Oui, c'est vrai. Pardonnez-moi, c'est vrai que c'est étonnant. C'est-à-dire que vous dites. Non, mais là, vous semblez dire Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on a le droit, dans le débat public, d'être lucide sans être immédiatement caricatural Je peux finir mes phrases de temps en temps, ce serait vraiment sympa de votre part. On a le droit de dire et de constater et de faire de l'analyse politique. Tous les politologues vous le diront. Il y a des notes de la Fondation Jean Jaurès sur la mutation du discours de l'extrême droite qui démontrent que l'extrême droite s'est scindée. Elle a été radicalisée et prise par son tournant par Éric Zemmour, Marine Le Pen. Et elle n'a pas fait campagne majoritairement sur les sujets de grand remplacement. C'est un fait. Je ne suis pas en train de la défendre. Je ne suis pas en train d'y adhérer. Loin de là, toute ma vie, j'ai combattu l'extrême droite. Et on a combattu Marine Le Pen. Et c'est Emmanuel Macron qui a permis de faire en sorte à deux reprises que Marine Le Pen ne s'installe pas à l'Élysée. Je tiens à le rappeler. Enfin, pardon, elle a fait c'est un lui score. C'est lui qui a été élu et qui a battu Marine Le Pen. Je pense qu'il faut là aussi. Je vais être d'accord avec Alain Marchal. Vous ne pouvez pas vous réjouir. D'accord. Vous ne pouvez pas vous réjouir. Est-ce que je me réjouis Non, mais parce que j'ai vous attends. Vous... Le problème, c'est que Marine Schiappa, les mêmes experts que vous citez, nous disent attention, Marine Le Pen, la prochaine fois, ça pourrait être la bonne pour elle. Mais je vous dis qu'elle avance après masquée. 10 ans, après 10 ans d'Emmanuel Macron, si on en arrive à la veille de l'élection 2027 à se dire attention, Marine Le Pen peut aller au pouvoir, c'est qu'il y aura quand même eu un échec total de la politique que vous menez, non ? Il y aura eu un échec global, ce que disait Christophe de Chavannes sur les oppositions. Non, un échec total de ceux qui sont au pouvoir. Pardon, où est l'opposition républicaine ? C'est une question que je vous pose. Ce que disait Christophe de Chavannes, qui a été passé rapidement, c'est était pas extrêmement la faute du intéressant. Parti socialiste et des LR aujourd'hui. Ouais, ils ont pas les j'aimerais avoir une opposition républicaine en face de moi. J'aimerais n'avoir pas comme seule alternative pour gouverner dans ce pays que l'extrême droite. J'aimerais qu'il y ait une opposition. Bah, ça aussi, ça vous interroge. 89 députés Rassemblement National. Alors justement, vous me faites la transition. Je voudrais vous interroger un petit peu, Marion Maréchal. Parlons de vous. Est-ce que je peux répondre sur le terme extrême droite, parce que je vous assure, en fait, à un moment donné, moi, je finis par me dire, est-ce que ça vaut le coup de revenir dessus et tout, parce que c'est tellement répété comme une évidence. Je suis désolée de vous dire, mais que ce soit d'ailleurs le Rassemblement National ou Éric Zemmour, ces partis ne sont pas des partis d'extrême droite. Et moi, je suis Madonna. Alors, c'est qui ? Je veux bien. Et elle est Madonna. Alors, vous êtes peut-être plus Madonna que moi. Vous êtes peut-être plus Madonna que je ne suis d'extrême droite. C'est possible. En revanche, je vous le dis, l'extrême droite, ça répond à une définition précise. Là, c'est utilisé comme un espèce d'anathème qu'on nous jette au visage pour nous disqualifier moralement, mais l'extrême droite, ça correspond à une définition précise, notamment l'antiparlementarisme, la dérive autoritariste, entre autres choses. Pardon de vous dire, mais il n'y a rien d'équivalent, ni au Rassemblement National pour le coup, ni chez Éric Zemmour. Donc arrêtez d'utiliser ces vieux slogans politiques infamants, parce que c'est facile intellectuellement de disqualifier moralement l'adversaire. C'est un terme impropre, je suis désolée de dire. L'extrême droite n'existe plus. Il faut changer le logiciel. C'est une bonne nouvelle. Elle n'existe pas là, ça c'est certain. Vous ne dites pas l'extrême gauche pour Jean-Luc Mélenchon ? Non, je ne dis pas l'extrême gauche pour Jean-Luc Mélenchon, à ceci près qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant chez Jean-Luc Mélenchon. Vous défendez Jean-Luc Mélenchon ? Non, si vous voulez, ça m'arrive. C'est un bonjour. C'est qu'il y a en revanche une critique institutionnelle chez Jean-Luc Mélenchon que vous ne retrouverez ni chez Éric Zemmour ni chez Marine Le Pen. On est un an après la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle que vous avez soutenue, vous avez rompu avec le Rassemblement National, avec votre tante. Éric Zemmour a fait 7%. Il a fait élire aucun député aux législatives. Votre tante, Marine Le Pen, est arrivée au second tour avec 23% et a fait un score historique aux législatives faisant rentrer 89 députés. Question simple, si c'était à refaire, vous feriez tout pareil ? Bon, on peut toujours se dire qu'on a fait des erreurs dans la manière de rentrer en campagne, qu'on aurait dû faire ci, plutôt vous avez que ça. Reconnu d'ailleurs, vous avez reconnu des erreurs en disant moment, plutôt... c'est passé comme l'histoire d'une trahison familiale, alors à tel moment plutôt alors que c'était tel moment, voilà. Mais et d'ailleurs, je oui, parce que je trouve que c'est
impropre, on va dire, de ramener ça à la famille, en ce sens que dans les familles, il y a parfois des choix politiques différents qui sont c'était faits. Pas une trahison familiale, ce que vous avez fait. Et que, pour une simple raison, c'est que moi, une fois plus, j'avais déjà quitté le Rassemblement national. Je n'étais plus adhérent du Rassemblement national. Et que lorsque, et je fais la part des choses, c'est-à-dire quand je parle du Rassemblement national, j'en parle toujours sur le fond politique, sur les idées, sur le programme. Ce n'est jamais un règlement de compte. Est-ce que vous voulez empêcher Marine Le Pen? Est-ce que vous êtes une empêcheuse de mariner en rond, genre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voulez bloquer Marine Le Pen avec, non, mais c'est pas. Non, mais. Parce que vous la bloquez, en fait, avec Éric Zemmour. Mais c'est. Un peu. Mais non, mais je me lève pas le matin en me disant que je vais bloquer Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, c'est pas mon leitmotiv dans la vie. Et Éric Zemmour dire, vous croyez et Éric Zemmour que... Mais quoi, Éric Zemmour? Ce qu'il pense, lui. J'ai pas compris. Je vous pose la question de ce qu'il pense, lui. Est-ce qu'il n'a pas envie? Dites-moi un calembour, ça marchera peut-être mieux. Parce que... Non, non, c'est pas un calembour, non, non, pardon. Éric Zemmour. Non, non, est-ce que lui, son but, c'est pas de bloquer Marine Le Pen? Parce que 7%, voilà, 7%. Non, je crois, mais non, pas du tout. Moi, je pense qu'Éric Zemmour, il s'est lancé, j'en suis même convaincu, il s'est lancé parce qu'il avait le sentiment qu'aujourd'hui, la ligne qu'il défendait n'était représentée par personne. Parce qu'il pensait qu'elle était incompétente. Pas plus par le Rassemblement. Il l'a dit. Non, ah, il l'a dit. Il a dit très précisément qu'il considérait que Marine Le Pen ne pourrait pas gagner seule. Et que la stratégie d'isolement du Rassemblement national depuis des années. Nous conduit. Non, mais pardon, il a eu des mots très durs sur les compétences et l'incompétence de Marine Le Pen. Il a dit ça. Et qu'en l'occurrence, le fait que Marine Le Pen arrive au second tour ne suffisait pas ensuite pour transformer les. Vous espérez une réconciliation politique? Une fois de plus, j'espère qu'à un moment donné, des courants différents arriveront à se mettre autour de la table et à travailler ensemble pour faire en sorte que. Vous n'êtes pas frustré aujourd'hui? Vous n'êtes pas frustré aujourd'hui, vous, Marion Maréchal, de ne pas être à l'Assemblée nationale? C'est toujours frustrant de ne pas avoir un mandat parce que c'est un outil pour pouvoir faire de la politique plus efficacement. Je ne vais pas vous dire le contraire. En plus, moi, j'ai passé 5 ans, j'étais députée de Vaucluse. J'étais la Benjamine, oui, absolument. Mais j'ai beaucoup aimé mon mandat dans le Vaucluse. Donc ça, c'est sûr que c'est un outil en moins. En revanche, expliquer qu'on n'a pas le droit de faire de la politique, comme Mme Schiappa me l'a dit, parce qu'on n'a pas de mandat. J'ai absolument pas dit Vous m'avez dit tout à l'heure, vous dites vous n'avez pas le droit de parler au nom des Français. Vous n'avez pas le droit de faire de la politique. Vous m'avez dit vous n'avez pas le droit de parler au nom des Français. Vous avez une capacité à surinterpréter les choses qui est incroyable. Non, je répète ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais j'ai pas compris. Je vous ai demandé à quel titre vous étiez la porte-parole des manifestations. Vous n'aviez pas de mandat depuis 6 ans. Pas le droit de parler au nom. Vous êtes présidente du comité de soutien d'Éric Zemmour, c'est votre seul mandat actuellement. T'as le droit de parler au nom des Français parce que vous n'avez pas de mandat. Or, le propre de la politique. Vous parlez au nom d'Éric Zemmour. Le propre de la politique. Moi, je vais avec toi parce qu'il. Pardon. Il t'écoute pas. Vas-y. Paul. Non, Marion Maréchal, Léa a rappelé les chiffres tout à l'heure. Vous avez quitté le Rassemblement national 23% au premier tour de la présidentielle pour Reconquête 7%. Le dernier qui a fait ça, c'est Cristiano Ronaldo. Il est passé de Manchester à Al Nasser. La différence, c'est que lui, il a pris 200 millions et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Arabes dans son nouveau club. Mais je peux vous poser une question qui, personnellement, me taraude dans votre cas, Marion Maréchal. C'est-à-dire que vous étiez la nouvelle star de la politique il y a 5 ans. Vous aviez raison de dire que vous étiez la Benjamine de l'Assemblée nationale. Et la politique, c'est aussi faire des choix et des bons choix. Et vous, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est-à-dire que vous êtes l'étoile montante, vous décidez de sortir de la politique, de ne pas vous représenter. Je ne suis pas de la politique pour être star. De ne pas... Vous savez, c'est pas mon objectif c'est pas du tout ce que... C'est pas l'idée d'être une star, c'est l'idée de réussir en politique, de faire les bons choix. Mais vous décidez... Non, je peux terminer ma question. Non, mais pour rappeler aux gens qui nous écoutent votre parcours, vous décidez de vous retirer de la politique, d'ouvrir votre école, de faire la législative. Décidez parce que vous avez C'est pas un mauvais choix, en fait. J'ai choisi volontairement de rejoindre un civil parce que je voulais créer une école. Mais, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un mauvais choix, mais moi j'étais très heureuse de faire ce choix et je suis très contente. Comprenez-moi, il n'y a aucun jugement. J'essaie juste de comprendre votre parcours politique. Vous décidez finalement de revenir en politique. C'est-à-dire que ça ne vous suffit pas l'école et la politique vous manque. Vous revenez en politique, vous choisissez Éric Zemmour plutôt que votre tante Marine Le Pen. Bon, on connaît les scores, je ne vais pas les rappeler. En même temps, Jordan Bardella monte. Et vous vous retrouvez aujourd'hui dans un micro-parti à essayer de défendre votre existence. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion de carrière? Merci. Vous allez me faire du coaching, en fait. Alors, j'y reviens. J'ai quitté la politique, non pas, c'était pas un choix stratégique. J'ai quitté la politique parce que je voulais avoir une expérience dans le privé. Vous l'avez rappelé, j'ai été élue très jeune, j'ai été élue à 22 ans. J'ai siégé pendant 5 ans. Et à l'issue de ça, je me suis dit, si tu ne quittes pas la politique maintenant, tu ne la quitteras jamais, parce que je sais comment ça fonctionne. Une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, c'est très compliqué d'en sortir. On le voit à travers tous les exemples aujourd'hui de carrière. Donc je me suis dit, profite d'avoir encore la liberté de pouvoir faire autre chose pour faire ça. Donc ce n'est pas une question de mauvais choix. Ensuite, vous réduisez, c'est marrant, parce que
Vous réduisez l'analyse du paysage politique à des guerres de personnes et à des guerres d'écuries politiques. En l'occurrence, c'est ce que ça a été. Vous dire. On a vécu guerre Zemmour-Le Pen pendant toute la présidentielle. Ce n'est pas une question de personnes et d'écuries ou de compétition. Comment dire, de personnalité, de carrière, et de star. C'est non, la politique, c'est d'abord défendre des idées. Ensuite, ces idées sont incarnées. Pour faire passer les idées. Et ensuite, on a un outil qui s'appelle un parti, donc de fait, qui sont en compétition. Mais la base de tout, c'est quand même les idées. Donc moi, je ne vais pas vous dire que j'ai fait un mauvais choix à partir du moment où je suis rentrée là, où je considérais que mes idées étaient le mieux défendues. Je suis désolée, je le répète, mais j'ai l'impression que ça ne convainc personne. Est-ce que la présence de Jordan Bardella, par exemple, simplement pourrait vous en empêcher d'aller là-bas, parce qu'on sait que pour faire de la politique, il faut aussi être avenant, il faut être intelligent, vous l'êtes tous les deux, il faut avoir... C'est-à-dire la compétition entre les deux ? Oui, est-ce qu'il pourrait y avoir les deux jeunes, enfin, je ne vais pas dire parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, je trouve que je ne valide pas du tout, mais un peu Ken et Barbie, tu vois, qui serait dans le même parti, est-ce que c'est... Alors, il est déjà en couple avec ma cousine, hein, donc ça va être compliqué si je commence à aller sur ce terrain-là. Ah non, mais je parlais ça pas... Ça va mal se passer dans les réunions familiales. C'est vous qui avez l'esprit mal placé. Je ne parlais pas sexuellement. Hein, je... Ah oui, d'accord. Ah, bon, ah non, pas du tout. C'est beaucoup moins intéressant, alors. Je parlais juste d'une présence... je parlais juste d'une présence... Non, parce que Ken et Barbie n'ont pas de rapport sexuel, hein, en vrai. C'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'il a un slip en plastique, du coup, on ne peut pas... Et pas que ça. Et Marion Maréchal, si vous arrivez... Ça devient n'importe quoi. Non, mais je veux dire, est-ce que la présence d'un jeune homme comme lui pourrait être un empêchement pour une jeune femme comme vous ? Voilà, c'est aussi simple que ça, ma question. Je suis désolée, je vais encore me répéter, mais en fait, ce n'est pas la question de Jordan Bardella ou pas Jordan Bardella. Jordan Bardella, il a plein de talents, ce n'est pas le sujet. Mais Jordan Bardella, j'ai des différences idéologiques avec lui, j'ai des différences stratégiques avec lui. Donc à partir de là, c'est pas savoir si Jordan Bardella est beau ou est talentueux, ce n'est pas mon sujet, en fait. Vous seriez restée au Rassemblement National, vous seriez peut-être aujourd'hui présidente du Rassemblement National. C'est bien ce que je dis, un problème de conseiller carrière. Si vous voulez postuler, Mme Salamé... Voilà, il n'y a pas de problème, écoutez. Paul. Oui, on vous a bien entendu dire ce soir que vous étiez pour la retraite à 64 ans. Vous êtes vice-présidente d'un parti dont le président a 64 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen un peu plus malin de lui piquer la place ? Tiens, vous me faites la transition, c'est pas mal. Et d'ailleurs... les européennes. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... Dans tous les sondages, vous arrivez devant lui, est-ce qu'il n'en prend pas ombrage au bout d'un moment ? Comment ça se passe, vous deux ? Vous me faites chier ? On va lui faire des problèmes. Dites-le. Vous me fatiguez, parce que je suis quelqu'un de poli. Non, mais dites-le. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que je veux bien qu'on parle pendant 25 minutes, une fois de plus, des guerres de personnes et des guerres... Non, je ne vais pas parler de guerres de personnes, je vais parler de... Alors, bilan de cette interview, on a appris quoi ? Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais vous demander. On a appris que maintenant, on ne dit plus extrême droite, on dit droite civilisationnelle. Exactement, bravo. On a avancé, du coup. Vous êtes... On a avancé. Vous voulez la tête de liste aux européennes ? Parce qu'il paraît que vous, Éric Zemmour, vous avez... J'ai postulé, en fait, auprès de mon mouvement. J'ai dit que j'étais à disposition et que ça m'intéressait. Maintenant, c'est une décision qu'on prendra tous ensemble. Vous, elle ne vous dit pas que vous la faites chier. Non. Bah non. Mais c'était ma question. Moi, je ne la fais pas chier. Non, non, mais moi, c'était... Non, vous parliez de Bardella et de... Pourquoi on doit... Non, non, c'est mon réponse. Pourquoi on ne doit plus vous appeler Marion Maréchal Le Pen ? Pourquoi plus Le Pen ? Ah non, mais ça, c'est très simple. C'est qu'en fait, quand je suis rentrée en politique, j'avais déjà comme nom d'usage Maréchal Le Pen, donc voilà, je l'ai utilisé dans le cadre de mon activité politique. Et puis bon, il y a une histoire un peu particulière. Quand je suis partie à Carpentras, il y avait cette idée de laver le nom Le Pen qui avait été sali, peut-être vous vous en souvenez, sur ce territoire avec l'affaire du cimetière de Carpentras dans lequel le FN de l'époque avait été accusé à tort. Voilà. Donc il y avait toute une histoire. Et quand j'ai quitté la politique, que j'ai arrêté la politique et que je suis revenue dans la vie civile, j'ai décidé de reprendre mon nom civil, de quitter mon nom politique. Et donc j'ai repris ma Marie-Charles. Et puis après, comme ça s'est installé, je n'ai pas repris l'autre nom. Un mot ? Ah, de ce que je pense de l'extrême droite qui n'existe plus. Je sais pas, on est en face de gens qui rabassent toujours les mêmes trucs. On parlait des retraites, on arrive sur l'immigration. On parle de l'état des hôpitaux, on arrive sur l'immigration. C'est une obsession. Je peux parler, c'est juste 5 secondes. C'était trop. Vous parlez de l'immigration, oui ou non ? Oui, mais je parle de l'immigration, c'est vrai. Mais dire qu'on ramène tout à ça, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Attends, que je finisse quand même. Oui, bien sûr. On est quand même face à des gens qui exploitent ce filon depuis longtemps, parce que c'est un business, cette politique, ces partis. Non, c'est pas un business. Non, pas du tout. Non, je suis désolée de vous dire, je me lève pas le matin en me disant que je me fais de l'argent sur le dos des Français. Vous avez le droit de le penser, mais je vous avoue. On verra bien. En l'occurrence, c'est totalement. Ça arrivera, je voudrais juste terminer ma phrase. C'est simplement. Faites des blagues, ça marche pas. Quoique. D'accord. Là, c'est méprisant. Je vous laisserai. Je suis désolée de vous dire, mais en même temps, c'est. En tout cas, on remarque que j'ai énormément de liberté d'expression. Allez, c'est extrêmement violent et mensonger. Je dois regarder ça avec le sourire. Qu'est-ce que vous dites violent, là ?
Il me dit que je suis d'extrême droite, il me dit que je suis obsessionnée. Alors Marion Maréchal Le Pen n'est pas d'extrême droite, ça, celle-là, je pense que je vais dormir là-dessus. Alors, pour terminer, vous connaissez, vous regardez l'émission l'une et l'autre, je vous mets des photos d'hommes politiques, de femmes politiques ou autres, et quelle est la question que spontanément vous poseriez l'une et l'autre à ces personnes si vous les aviez en face? On commence. Elisabeth Borne, Marion Maréchal, vous l'avez en face, vous lui demandez quoi? Ah bah tiens, puisqu'on n'a pas le temps de parler de sécurité, est-ce que Madame Borne assume les résultats terribles en matière d'insécurité de Monsieur Dupond-Moretti? Voilà, puisque tous les chiffres explosent, que ce soit les cambriolages, les vols avec violence, les homicides, voilà. Marlène Schiappa. Moi, je lui demanderais, Madame la Première Ministre, de changer de manteau. Pas du tout. Qui a dit ça? Pardon. On coupera au montage. Non, je lui demanderais ce qui était le plus difficile en termes de misogynie. Est-ce que c'était d'être une des premières femmes polytechniciennes ou la deuxième première femme à Matignon? Oh, la lèche. Non, c'est une vraie question. Vous auriez pu la poser. Jean-Marie Le Pen, en face, vous lui posez quoi comme question? À votre grand-père. Est-ce que vous étiez d'extrême droite? De temps en temps, mais... Non, pas de question? Si, je sais pas, c'est une question que je n'ai jamais eu l'occasion de lui poser. Je dirais que parmi toutes les rencontres que tu as eues, parce qu'il en a eu beaucoup, quelle est celle peut-être qui t'a le plus marqué? Parce que vous savez, il a rencontré Jean-Paul II, il a rencontré Reagan, il a rencontré Humphrey de Bonny, enfin voilà. Saddam Hussein. Voilà. Aussi, à l'époque, en effet, tout à fait. Et voilà, mais avant le drame, bien entendu. Marlène Schiappa. Vous n'avez pas honte? C'est original. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, j'ai du mal à comprendre quelle est la vision qui se fait de la France. Parce qu'on lui a beaucoup reproché de parler de la start-up nation, de dire qu'il n'y avait pas de culture française. Et donc la question, c'est voilà, quelle est votre vision de la France? Finalement, qu'est-ce que la France pour vous? Comment vous la voyez? Marlène Schiappa. Je ne m'adresse pas au président de la République publiquement. Oh là 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 là! Il est où le coffre de Benalla? Dis-le. Éric Zemmour, vous l'avez en face, vous lui dites quoi? Laisse-moi la place pour les européennes. Une question ou un ordre? Je pense que vous fantasmez une mésentente qui n'existe pas. C'est dommage, mais... Moi j'échange tous les jours avec Éric, donc c'est un petit peu compliqué comme ça, je ne sais pas. À quelle heure est le dîner lundi, puisqu'on a un dîner tous les deux, donc, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Ok. Et où? Moi, je lui demanderais, vous avez été condamné pour injure raciale vis-à-vis d'Absat aussi. Est-ce que vous excusez auprès d'elle et auprès de tous les enfants qui portent des prénoms à consonance étrangère que vous avez insultés aux yeux de la justice française? Marine Le Pen, vous l'avez en face, vous lui dites quoi? Si j'enlève le nom, est-ce que je garde l'héritage? Je sais pas, j'aurais pas tellement de questions. Je vous dirais que j'étais contente de l'avoir au réveillon de Noël. J'étais contente de l'avoir au réveillon de Noël. Vous étiez contente de l'avoir au réveillon de Noël. Marlène Schiappa. Est-ce que vous voulez vraiment être présidente de la République? Bon, si vous aviez l'une et l'autre Simone de Beauvoir devant vous, vous lui diriez quoi? Il y a beaucoup de choses à dire sur sa philosophie. Vous savez que Platon disait que la philosophie, c'est la musique la plus haute. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Mais je lui demanderais peut-être si Jean-Paul Sartre partageait les tâches ménagères. Okay. Non, mais je lui demanderais comment elle regarde, la complaisance d'une partie du courant féministe aujourd'hui en France avec l'islamisme. Allez, pour terminer, si vous aviez Marlène Schiappa en face de vous, vous lui diriez quoi? Vous lui poseriez quoi comme question, Marion Maréchal? Est-ce qu'elle préfère... Est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez Jean-Michel Blanquer ou Papa Ndiaye? C'est quoi la différence entre les deux? C'est la ligne politique. Le rapport à la laïcité, peut-être, le rapport au wokisme. Marlène Schiappa, si vous aviez Marion Maréchal en face de vous, vous lui poseriez quoi comme question? Bon, on en a eu pas mal depuis tout à l'heure. Mais j'ai envie de vous demander, vous êtes une mère de famille, vous aussi, si votre fille vous disait qu'elle est amoureuse d'un clandestin sans papier qui travaille dans la restauration et qui vient d'obtenir un titre de séjour. Mais pas ça, on va la perdre. Vous réagiriez?
Est-ce que vous soutiendrez l'amour de votre fille? Ah bah, j'aime mes filles à mourir, donc évidemment, quel que soit leur choix personnel, je continuerai d'aider mes filles. Mais vous savez, c'est ce que j'avais voulu vous expliquer d'ailleurs tout à l'heure, je me suis peut-être mal exprimée, mais pour moi, il y a deux niveaux en politique. Il y a le niveau individuel et une charité individuelle qu'on doit tous s'imposer. Enfin, je veux dire, on en parlait tout à l'heure, demain, vous trouvez même un migrant clandestin en train de convulser sur le trottoir, évidemment, vous lui portez secours. Non, mais que ce soit un Français ou un migrant, c'est ça que je veux dire. Même un migrant, aussi. Mais parce qu'on parlait de les côtés clandestins. Et arrêtez de caricaturer. C'est fatigant. C'était une expression pour dire, puisque vous me reprochez d'être raciste, d'extrême droite et compagnie. Bah, voilà. Vous êtes avec quelqu'un qui est condamné pour. Mais monsieur, racisme. Vous faites de la politique ou vous faites de l'humour? Non, je vois, j'ai le droit de décider si je le trouve raciste. Et donc, sur votre fille. Et donc, voilà, il y a la morale individuelle qu'on a chacun, évidemment. Et il y a ensuite, quand on fait de la politique, on raisonne à un niveau d'État. Et donc, la question maintenant, c'est est-ce que les décisions qui sont prises vont dans le sens de la cohésion, de la prospérité, de l'harmonie de la population? Et donc, c'est là qu'on appelle à une réponse de régulation sur la politique migratoire et d'exigence, c'est tout. Donc, évidemment, qu'à titre individuel. Ça, c'est un grand désaccord entre vous et moi. C'est que moi, je n'envisage pas la politique comme détachée de ma vie individuelle. Pour moi, les engagements qu'on a à titre individuel dans notre vie quotidienne nourrissent notre engagement politique. Et merci. Non, je crois pas que c'est pas le même. On a dit qu'on était. Vous n'êtes pas d'accord. Sur celui-ci. Merci à toutes les deux d'avoir échangé sur le sujet de manière courtoise. Dans quelques minutes, ce sera le retour de Philippe Cavrivière. Mais d'abord, c'est l'heure de votre rendez-vous, Christophe Deschavannes, le QMQQ. Quelques minutes pour quelques questions. Oui. Ça vous plaît. Et qui est votre invitée ce soir, Christophe? Elle a été sage, elle nous a écouté toutes les missions. Elle n'a pas été sage, c'était une sainte. Elle n'a pas dit un mot. Elle est toujours là, elle est toujours réveillée. Ben, elle est solide, hein. Elle est très très solide. Elle a 31 ans, de la Polynésie au Portugal en passant par Hawaï. Elle a dompté toute seule sur une planche dès l'âge de 5 ans, je crois, mais jusqu'à des vagues géantes maintenant, qui vont jusqu'à 22, 23 mètres. On appelle ça des very big waves, c'est ça en anglais, ou des big waves simplement? Des grosses vagues. Des grosses vagues en français. Superman. Ah oui, mais... J'ai quelques vannes comme ça préparées, je m'excuse. Hein. Aujourd'hui, la meilleure surfeuse de grosses vagues donc, au monde, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes championne du monde. Je voudrais qu'on regarde avant de se parler quelques aperçus de vos exploits. Et c'est assez extraordinaire. Regardez. C'est vraiment époustouflant, parce qu'elle rigole, mais elle fait des choses absolument incroyables. C'est une histoire de famille, le sort, ça commence toute petite. Votre père, votre frère, et dès 5 ans, vous êtes sur une planche, c'est ça? Dès 11 ans, mais 11 ans. 5 ans, 6 ans, je faisais déjà un peu de voile, de la natation, un peu de sport. Vous aimez bien l'eau. Mais vous aviez peur dès que vous alliez un petit peu à plus de 20 mètres, c'est ça? Oui, au début, j'avais peur des... Des vagues. Des vagues et des grosses vagues, qui n'étaient pas très grosses. Qui faisaient 2 mètres. Oui, voilà. C'est ça, vous aviez peur. Et à quel âge vous avez passé le cap, alors? Parce que là, il y a un cap, quand même, hein, on va dire. Mais c'était vraiment... ouais. Mais c'était vraiment petit à petit. C'était quelque chose qui me vexait un peu au début, que je n'arrivais pas à comprendre vraiment. Je n'arrivais pas à communiquer ça un peu à mon frère et mon père. Donc, finalement, c'est quelque chose que j'ai...
que j'ai intégré en moi et que j'ai, c'était un petit challenge personnel. Et mais on a l'impression aujourd'hui, c'est encore ça. On a l'impression que c'est un truc un peu commun, parce que Kelly Slater, qui est toujours un grand champion, qui a 50 piges hein, aujourd'hui, il dit qu'adolescent, les vagues de plus de 2 mètres le tétanisaient. Donc il y a une espèce de victoire sur soi qui fait que tout d'un coup, on devient un grand champion, ou une championne en l'occurrence. Quoi, en ce qui vous oui, parce qu'on a... Regarde ça, c'est absolument inouï. Ça, c'est à Nazaré, ça, c'est oui. La fameuse vague incroyable au Portugal, ouais. C'est ça. Ça, c'était vraiment un accomplissement énorme. On va les détailler. C'était avec Fred David, mon copain, et c'est lui qui m'a tracté sur la vague. Et ça représente 4 ans d'apprentissage sur cette vague à Nazaré. Et le fait d'avoir réussi à le faire ensemble... C'était vraiment... Donc ça, magique. C'est Nazaré, ce sont les falaises de Nazaré, oui, où vous vivez, ouais, et où il y a cette vague incroyable, voilà. Où vous êtes obligé de vous faire tracter donc, par votre compagnon, oui, exactement. Votre copain, je crois que vous dites, qui vous suit, mais pas jusqu'au bout, parce qu'il y a un moment où il ne peut pas. Mais vous y allez là. C'est quoi le dénivelé? C'est quoi la vitesse? La vitesse, ça va être de 70 km/h, quelque chose comme ça. J'avais sur une GoPro, à un moment, 67 km/h. Je pense que j'ai dû aller plus vite entre-temps. Mais ce n'est pas... Après, ça, c'est des chiffres. C'est comme la taille d'une vague, c'est un chiffre. Après, c'est le surf, c'est la sensation. C'est votre métier, c'est pas un loisir. Oui, hein. Oui, oui. D'accord. C'est ma passion. C'est un kiff, mais on va détailler une vague, si vous voulez bien. Bon, là, on vous voit tracter, effectivement. Voilà. On va parler de cette vague-là. Regardez. C'était en novembre. C'était ma première vraiment vague conséquente. Énorme. Ça, c'est un Nazaré. C'est un monstre de 23 mètres, je crois. Hein. Voilà. C'est pour donner une idée. Pour donner une idée aux gens, c'est à peu près 8 étages. Ouais, je... Vous pouvez peut-être. Si, mais... je vous assure. En vrai, je ne regarde pas 8 étages comme ça, moi je les sers. Oui, mais par exemple, c'est comme différent. Si vous avez un immeuble au-dessus de la tête, mais c'est de l'eau. C'est différent, c'est comme une pente en ski. Tu prends de la vitesse, tu t'en rends compte, tu la ressens, tu la vis. Alors, vous dites ça justement, vous dites que vous savez lire l'eau. Et je voudrais juste comparer avec les autres champions, par exemple, qui font ou du rallye ou de la course automobile sur la piste, où la piste, on sait que. Ça ne bouge pas. On sait où sont les problèmes, où sont les trous, où sont... Le rallye, c'est plus compliqué parce qu'il y a des graviers selon le nombre de passages qu'il y a, etc. Mais vous, c'est ce qui a coûté la vie, d'ailleurs, à trois garçons à l'époque où Cassie Garry, le journaliste de TF1, Giroud et Didier Pironi, se sont tués avec un bateau, une Formule 1 des mers, parce que la mer, elle n'est pas domptable. On ne peut pas la repérer. On ne sait pas comment elle vient. Qu'est-ce que ça veut dire, je lis la mer, je lis l'océan, je lis la vague? On s'adapte. On s'adapte en continu, c'est ça, la préparation, ça, on peut le travailler, essayer de le maîtriser, mais une fois qu'on est dans l'océan, ben c'est ça, c'est la magie, c'est l'élément qui choisit. Et donc nous, on n'est rien, on est juste là et on doit s'adapter, on doit être... Et vos pieds sont attachés là? Oui, ça m'a valu d'ailleurs me casser la cheville en février dernier, parce que mon pied est resté bloqué dedans, c'est un strap, donc ça me permet d'être... Vous n'avez jamais peur là? Si. si, ça fait peur, oui, forcément. Mais bon, c'est vivant. Quand je regarde les images, bah, là regardez, souris, on vit la descente. Vas-y. Avec le son. Vas-y, racontez-nous ce que vous vivez là. Ah, là, je sais que j'ai joué avec la vague au plus fort parce que je me suis fait recouvrir par la mousse après. Donc ça veut dire que j'ai joué, mais suffisamment pour rester sur ma planche et pas mettre en danger mon équipe après. Comment ça se passe quand vous tombez en fait? Mal. J'ai passé un mauvais moment sous l'eau. Quelques secondes. 15 secondes, 20 secondes maximum, mais par contre, c'est à répétition, c'est ça qui est... Ouais, oui. Et après, c'est une équipe. Tu te fais bastonner quand même. Oui. Vous avez failli mourir. j'ai expérimenté des moments pas très rigolos. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes tombé et vous êtes tombé près des falaises. Oui, l'année dernière, juste avant mon casque. On verra ça, on en parlera à la fin, on montrera. Bon, on peut les montrer, là, on a quelques photos puisque vous en parlez, Léa. Ah, mais là, quand Fred, mon copain, il m'est passé juste à côté et j'ai pas pu monter. Et là, donc, c'est un ami qui est venu et qui m'a récupéré au bon moment. Et là, j'ai fait une erreur sur la vague, je suis tombée. Et le problème, c'est qu'après, tu mets toute l'équipe dans une position difficile, donc à eux de rattraper. Et vous aviez quoi, là? Parce qu'on vous voit un peu sonner. Non, moi, je vais bien, je prends mon pouce. Ah, mais vous brandissez vos doigts tout le temps, sur toutes les photos. Hein. Ce qu'on peut expliquer aussi, c'est que vous avez un airbag maintenant, comme les motards. Hein. Oui, voilà. Oui, on a vraiment de l'équipement. Et de l'air, dedans pour remonter rapidement, le plus rapidement. Comme un peu Mario Kart, t'as des manettes, tu peux déclencher, ça se gonfle, ta combi, tu peux remonter. Donc ça veut dire que si vous êtes sonné, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Non, c'est pour ça qu'on a de la combi déjà avec de la mousse. D'accord. Pardon. On a de la mousse. C'est combien de millimètres les combis du coup? Alors 5 millimètres là, parce qu'au Portugal il fait quand même un peu froid, l'eau elle est à 14 degrés et on y reste toute la journée dans l'eau et avec le vent, mais ça fait. Alors maintenant on va regarder Cortez Bank si vous voulez bien, et c'est la vague qui est considérée par tous vos petits camarades comme la plus belle vague du monde. On va la voir maintenant, regardez elle là. Est où? Elle est sublime. Au elle large est à Cortez Bank, Californie. Californie, ouais. C'est à 180 km au large. C'est impressionnant parce qu'on ne voit pas la côte. On a l'impression d'être sur une nouvelle planète. Donc il faut aller la chercher. On voit que de l'eau.
On voit que de l'eau à 360 degrés. Oui, et pourquoi elle se casse? Parce qu'il y a des récifs? Parce qu'il y a une île qui est submergée, donc il y a de l'eau dessus, mais il y a 10 mètres, je crois, de profondeur. Donc la vague peut casser, mais on ne voit pas la terre. Elle est à combien de kilomètres de la terre, vous dites? 180. On a dû dormir sur le bateau toute la nuit, et on est arrivé, on a surfé toute la journée. Oh là là. Alors là là. Après, les prises de risque sont différentes, parce que tu sais que tu es très loin, donc tu dois être autonome. Pour les secours, oui, bonjour. Ouais. Mais c'était magique de vivre un moment vraiment dans une bulle, hein, au large. Il n'y a pas de repère à part le soleil, sinon, et les bateaux, tout est en mouvement. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que vous faites. C'est le côté un peu adrénaline, kamikaze et exploit sportif, évidemment. et exploit sportif, hein, bien sûr. Et cette vie, quand même. Moi, à chaque fois que je vois des documentaires sur des surfeurs, c'est quand même, on est à la plage. Attends. Il fait beau. Ils sont tous beaux. Ils sont tous pas mal. Blonds. Bon, ils sont gaulés, tout ça. On fume 2-3 pets si jamais ça traîne, parce que quand même, il paraît que dans certaines îles exotiques, il y a des trucs qui traînouillent. On se boit une petite bière, c'est une vie. Il faut se mettre à la page, c'est l'ancien cliché, ça. C'est fini, ça. Non, regarde, moi j'ai un casque, j'ai une cagoule, on voit que mon nez et ma bouche. Et on s'entraîne et on réfléchit énormément à notre carrière, à tout. Vous êtes fixé une limite d'âge? Une limite d'âge? 64 ans. J'attends pas 64 ans pour vivre. Hein. Marion Maréchal, vous sortez? Oui, un petit peu. C'est vrai. Sur les vagues d'immigration. C'est lourd à la fin. C'est le comique de répétition. Ça passe. Là. Donc vous surfez? Je me sens ridicule de dire ça parce qu'en fait, à côté de vous. vous ne faites pas. Sur la presqu'île de Quiberon, donc c'est très, très, beaucoup plus. C'est des vagues de quoi? 1m50, 1m80? Bon, on n'est pas très loin de ça. Mais c'est déjà pas mal. Parfois, j'ai déjà du mal à passer la barre. Oui, oui. Board, en fait. Non, surf. Surf, d'accord. Non, c'est déjà pas mal. Oui, parce que je vous ai gentil. Et Jordan Bardella, il en fait du surf? Ça, je sais pas. Mais sur la plage, il attend. Il regarde avec des jumelles. Je ne pensais pas lancer des rumeurs. Bon, je voudrais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, la championne du monde. Et on retrouve tout de suite pour terminer. Non, c'est pour dire qu'elle a un compte Insta incroyable. Ah bah oui. Vous avez un compte Instagram où il y a des images folles. Donc voilà, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait voyager en tout cas ce soir. Le fil actu à suivre, Philippe Cavrivière. Ça fait du bien ces images. Hein. J'adore les images. On a parlé surf un petit peu avec Justine, je suis moi-même surfeur. le vrai surfeur. Le vrai surfeur, c'est Zemmour. Bon, il n'a pas pris la bonne vague. À la présidentielle, il est resté dans la vaguelette, quoi. Il est resté dans la mousse. Et c'est dommage parce que c'est un beach boy. C'est un beach boy, mon Eric, on le voit. Il a un physique de. Voilà. Alors, il. On a dit pas le pour une fois, physique. Pour une fois. Alors, il est à gauche pour une fois, parce que c'est vrai que la ressemblance est troublante. On reste dans le sport. Je n'ai pas fait de vanne physique. Non, je n'ai rien dit. On reste dans le sport jusqu'à, féminin. Jusqu'à demain se tient l'opération Sport Féminin, toujours pour inciter les médias audiovisuels à proposer plus de programmes autour du sport féminin. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme différence? C'est quoi les différences entre le sport masculin et féminin? On est beaucoup moins bien payé dans le sport féminin. Voilà, et ça c'est dégueulasse. Voilà. Non, alors, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le sport masculin et féminin, à part la vitesse. L'intensité aussi, l'intensité. Non, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de. Il y a la puissance aussi. Non. Il y a la force. Il y a l'énergie, l'explosivité. Bref, tout ce qui a fait l'intérêt du sport à la télé, en dehors de ces détails, c'est ça, pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Mais moi, attention, moi, Marlène, je ne suis pas comme Christophe, qui est un peu une position un peu extrême, je trouve, parce qu'il me dit que le sport féminin devrait faire partie des handisports. Je ne suis pas d'accord avec Christophe. Non, c'est moins. C'est pas vrai. Je jure, c'est pas vrai. C'est moins. C'est moins spectaculaire, mais c'est pas grave. On a justement une vidéo de sport masculin très spectaculaire à montrer, c'est vrai. Ça? Si. On regarde. Oui. Ça va long. Oui. Ouais, alors. Bon, oui, mais. C'est Philippe Cavrivière. Oui, mais. Ne vous moquez pas parce que j'ai failli mourir.
Heureusement, j'avais un gilet. Je mets. Oui. Plus fort et plus beau. Ouais, non, vu comment fait... il vous éclate là, hein, ouais. Vraiment. Ben, hein. J'avais un gilet, donc j'ai été sauvé de justesse. mais dans le privé, moi, il m'a dit, ouais, je fais du surf. Ouais, mais comme toi, je suis une bouche quoi, un pipeau quoi. Ouais. Alors, revenons plutôt à le sport féminin. Je regardais un match de foot il y a pas longtemps. Il y avait une joueuse qui passait vraiment son temps à se plaindre. J'ai cassé mon ongle, on m'a tiré mes cheveux, on m'a tiré mon crop top. Enfin voilà. Elle s'appelait Neymar, je crois. Une chialeuse brésilienne. Alors, sur un match, ils ont calculé, elle passe plus de temps au sol que le ballon. C'est fou quand même. C'est assez incroyable. Il n'est pas content, Paul de Saint-Sernin, c'est son joueur préféré. Ben oui. Absolument pas rien. Info santé qui fait un peu froid dans le dos. 23% des Français sont persuadés que le vin fait diminuer les risques de cancer. Oui, mais je comprends. Parfois même, moi-même, je me suis posé la question. J'hésite, je me suis dit, si demain tu as un cancer, où vas-tu aller spontanément en réflexe? Est-ce que tu vas aller chez le cancérologue ou chez Nicolas? Peut-être, tu vois. Parce qu'à droite, il a l'air plus sympa. Et on se dit... Chimio ou Chablis? C'est des vrais choix. Radiothérapie ou rosée piscine? C'est des vraies questions. Voilà. C'est 23% votent. Hein. C'est des gens qui votent. Ceux oui, qui je, pensent sais, que je, sais, je sais, je sais, je sais. Il faudrait peut-être faire un test avant de voter, quoi, ouais. Plus que la majorité. On va passer à la voiture. C'est autre sujet vote, que vous aimez ouais. Beaucoup. Oui. Selon le dernier baromètre de la conduite responsable, les Français sont les champions d'Europe de l'agressivité au volant. Oui. Ah bon? Oui, c'est vrai. Et moi, la semaine dernière, j'étais... parle un petit peu de moi, j'étais en voiture avec ma femme et elle commence à gueuler « Enfoiré, espèce de bâtard, t'es vraiment qu'une merde, machin !» Et en fait, elle avait pris mon téléphone et elle regardait des messages que j'envoie à des téléspectatrices, mais vraiment tout bien, tout honneur, quelques photos, mais c'est tout. Et voilà, oui, voilà. C'était dossier, dis donc. Il y a un dossier. Petit dossier. Et le dossier, non, mais je sais pas. L'agressivité en voiture, ça existe. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'assez notable. On n'a pas le même courage en voiture qu'à pied. Et c'est vrai, on est plus courageux en voiture parce qu'on est dans sa petite bulle, donc on se sent fort. Et moi, je vois quand on a reçu Cyril Gane, rappelez-vous. Ah oui, le MMA. Le champion. Et on est dans les couloirs derrière, il s'est très étroit pour aller au maquillage et il était devant moi. Et bizarrement, vous voyez, j'aurais pu lui dire, espèce de gros con, tu vas bouger ton gros cul, j'ai une chronique à faire. Eh bien, non. Non, j'ai pris sur moi, j'ai attendu, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, on n'est pas aux pièces, après tout. Tu feras ta chronique à 23h30, à minuit, à 2h, c'est pas grave. De toute façon, personne ne regarde. Le pape François était en Afrique cette semaine. Oui. Il était, entre autres, au Congo et au Soudan. Au Soudan, ouais. Le Saint-Père est en fauteuil. Et ça fait, on dirait un petit peu un remake d'Intouchable, j'ai l'impression. Mais il serait super, moi, Cluzet en pape, il serait bien. Ça ferait le pape François Cluzet. Il ferait un homme, attendez, c'est pas vrai, cette misère, là. C'est horrible de voir ces gens comme ça, là. Puis ces chemins en terre. Et ramenez-moi au Vatican, merde, sur du marbre. Alors, le pape a des problèmes de ligaments au genou. Je pense que c'est la génuflexion, comme ça, ça doit être ça. Il doit faire des infiltrations. Et c'est quand même curieux de constater que le pape et les footballeurs, c'est les mêmes accidents de travail. En tout cas, c'est dur pour les supporters, parce que ni Kylian Mbappé, ni le pape François ne joueront contre le Bayern en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et ça, vous voyez, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Afrique, parce que si Dieu, il n'arrive même pas à solutionner la tendinite du pape, c'est quand même le pape, c'est quand même son attaché de presse. C'est son N-1. Et même une tendinite, il n'arrive pas à résoudre. Alors tout ce qui est famine, guerre et pillage de l'Afrique, tu vois, ils sont mal barrés, tu vois, les Africains, c'est dégueulasse. Je suis quand même le Saint-Père, merde. C'est possible, il le fait tellement bien. Il le fait super bien. Il le fait tellement bien. Parce que je l'aime beaucoup. J'adore. C'est un des mieux. Hein. C'est un des mieux. Mais c'est votre meilleur, là. Ouais. C'est vrai. On finit sur une note joyeuse. Oui. Le père Christophe Chatillon, recteur de la cathédrale d'Orléans, a quitté les ordres pour vivre une histoire d'amour. Bah oui, dis donc. Il quitte son ministère pour une femme. Et une adulte en plus. Enfin, bon, bref, c'est un original, on aura tout vu, dis donc. Mais il est beau gosse et il a
Vous voyez, il avait fait son baptême, il a fait sa communion, il a fait sa confirmation, il a attendu 52 ans pour perdre son pucelage. C'est chose faite. Merci à cette fidèle qui s'est dévouée, un peu coquine. Alors, dans le Parisien, les paroissiennes s'inquiétaient pour lui, car je cite, il était submergé par les tâches administratives. On pensait qu'il allait faire un burn-out. Et vous voyez, vous n'êtes pas très loin de la vérité, comme c'est un prêtre défroqué, il a effectivement fait un burn-out devant la paroissienne. Mais maintenant, il a le droit, parce qu'il n'est plus dans les ordres. Donc, s'il veut, il fait ce qu'il veut avec son kiki, il peut faire l'hélico, on n'en a rien à foutre. Vive l'amour, et à la semaine prochaine, sortez couverts. Je vois Marion, merci. Je vois Marion dans la salle qui se retient de rire. Merci, Philippe. Christophe. Quoi? Non, mais oui, je voulais... On parlait de l'amour. Oui, on parle d'amour. Tiens, veux-tu faire passer... Je ne vais pas bouger, je ne vais pas faire il tout le tour. Il voulait absolument jusqu'au distribuer bout. Les capotes. Bah oui, parce que depuis quelques temps, vous le savez, depuis le 1er janvier, elles sont gratuites en pharmacie pour les mineurs jusqu'à 26 ans. Tenez, Marlène. Tenez, les garçons. Comment on va faire pour le grand remplacement, maintenant C'est une tenez. Proposition ou... Voilà. Pardonnez-moi. C'est une proposition, elle vous demande. Il y a des jeunes, là, regarde. Continuez à faire c'est les fous. C'est quoi votre appel aux pharmaciens? Oui, c'est très gentil de dire ça. Oui. Parce que moi, j'oublie toutes les choses, je suis un poisson. J'oublie tout. Je voudrais faire un appel aux pharmaciens, en effet, parce que les pharmaciens, il paraît que l'on vous dit que les grossistes répartiteurs ne sont pas équipés pour vous fournir en préservatif gratuit. Donc, ils en ont tous. Donc, amis pharmaciens, ne croyez pas à ce qu'on vous dit et commandez-les, car ils en ont tous. Tous les grossistes répartiteurs sont équipés de préservatifs, notamment ceux-là, gratuits pour les mineurs, etc. Et je vous assure qu'il y a une augmentation des jeunes qui vont en chercher et où ils vont psychologiquement, tranquillement et anonymement et gratuitement chercher des préservatifs. Et ça évite beaucoup d'emmerdements, y compris des grossesses pour les mineurs. Merci Christophe de Chavannes. Merci Philippe Cabrivière. Merci Paul de Saint-Sernin. Marlène Schiappa, merci à vous. Olivia, en tournée. Ensemble ou rien, vous serez notamment à Paris le 15 avril au Zénith. Philippe Besson, ceci n'est pas un fait divers chez Julliard. Très bon livre à lire. Merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous. Les GG sur RMC tous les matins à 9h et sur RMC Découverte. Et alors vous les JO ou pas les JO? Les JO ou pas les JO? Rien. On verra. Bonne route en tout cas sur les vagues. Merci à tous. Quelle époque revient samedi prochain? Merci à Beyoncé qui était à côté là-bas. Et à Paul, je dis merci. Merci à Beyoncé, merci à tous. Quelle époque à cause d'Orelsan. À la semaine prochaine. Bonne nuit. Mets pas d'emojis dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Je vois tout en double, shot, remets une couche. Ah, numéro 4 Dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sale, 30 fois salaire de tes profs. Pour dire de la merde à tes gosses. Devant la lune en picross, redis-le. Ça parle que de stream, ça parle que de clics, ça parle que de chiffres, de bénéfices. Bâtard, t'es fan de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif.